va, Yvette. Catherine Duvalet. Présent. Jean-Jacques Coquelet. Présent. Fadila Benamara. Présent. Jacques Le Cerf. Présent. Fatia Djemel donne pouvoir à Yvette. Rachida Dordain. Présent. Ousmane Diaye. Marilyn Nio. Dominique Legault. Présent. Nabil Ghoul. Présent. Grâce Loubassou, qui était dans le même train normalement que Ousmane, puisqu'ils avaient le même retard, mais il y en a un qui est arrivé et l'autre pas encore. Il y a qu'elle me dise qu'elle va arriver. Jean-Claude Bourbeau donne pouvoir à Marc-Antoine Jamais, Michel Combes, Christophe Coplo, Géraldine de Lioncourt-Godefroy, Benoît Ballu, Anne-Marie Ariola, Yvette Rebourg, Claude Charles donne pouvoir à Jean-Jacques Coquelet, Lisbeth Schreiber, bonjour Lisbeth, Olivier Barbosa donne pouvoir à Catherine Duvalet, Pascal Dumontier, Eloussène Oulis, Jeanne Pouet donne pouvoir à Fadila Benamara, Mohamed Fliou, qui a changé de boulot récemment, Aurélie Lefebvre, qui va travailler chez le client, comme on dit souvent dans ces boîtes-là, Bruno Huré, Marie Forillère, Pascal Mourinet, Dina Aboki, Carole Canu, Laurent Rousseau, ont été chassés par Bruno Huré, qui a dit « Je ne veux pas les voir à ma gauche ». Il y avait peu de chance, par ailleurs. Allez, un ensemble de choses pas très compliquées dans un conseil municipal. Long délibération, mais assez facile, je crois, sauf si Jean-Jacques nous dit des horreurs sur les finances et la décision modificative. Sur moi, non, j'espère pas. Il paraît que je parle de la CRC, mais c'est lui qui aurait pu le faire aussi bien que moi, d'ailleurs. Donc, CRC, approbation du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Dotation politique de la ville, c'est Fadila Benamara, je crois, qui nous en parlera. Les décisions modificatives, le portage financier de l'EPFN pour l'hôtel d'entreprise du foyer des Quatre Soleils, dont on bascule la gestion à l'agglomération progressivement, et le festival Ciné-été, reversement du mécénat traditionnellement à l'association dont nous parlera Aurélie. Et puis Rachida Dordain parlera d'une subvention au VRAC, qui est toujours normalement un poème, une subvention aux associations Pétanque Val-de-Reuil, Gymnastique Volontaire et Équilibro. Alors peut-être que je me fais abuser, mais Équilibro, je trouve qu'ils sont bondissants, qu'ils font plein de choses. Mais peut-être me fais-je abuser comme souvent, peut-être qu'il n'y a que moi qui reçois leurs photos, les machins. Mais je trouve qu'ils font pas mal de choses, qui sont assez sympas et qui sont présents et qui sont très villes. Voilà. Voilà, et donc c'est assez sympa de les aider. Bon, voilà, pour une fois, je ne suis pas celui qui se fait avoir. L'organisation du championnat de France kayak adapté. Et Michel Combes, ça c'est Rachida Dordain, Michel Combes nous parlera longuement d'une subvention à la CRI qu'elle veut à tout prix donner. Et bien sûr, dit-elle, et elle nous en parlera. Jacques Le Cerf parlera du terrain d'assiette de l'ESAT. Elle a assisté de lui donner une base juridique qu'il n'en avait pas. Il le fera brièvement, je suis sûr. Le déclassement des routes départementales, le classement dans le domaine public communal, il le fera aussi. Et sa grande œuvre, le plan local d'urbanisme intercommunal, il ne manquera pas de nous en dire un mot. Classe découverte 2019, c'est Catherine Duvalet. Partenariat entre la DRAC et le Théâtre de l'Arsenal, il s'agit d'Aurélie Lefebvre. Marine Ignot nous parlera du nettoyage des bâtiments, parce que c'est le CCAS, c'est une commande groupée avec le CCAS. Jean-Jacques Coquelet évoquera l'approbation du rapport de commission locale d'évaluation de charges transférées, qui est un marronnier. On revient toujours à la même époque, et on est à l'automne. Je vous présenterai l'adhésion des communes destinée à faire en sorte que la majorité de droite de la case le reste jusqu'à la fin des temps. Donc on incorpore de plus en plus de communes de droite dans l'espoir que Louviers devienne de gauche, mais que la case reste à droite. Enfin, c'est pas tout à fait notre espoir, mais c'est un espoir que certains nourrissent. Donc voilà le plan machiavélique qui est mis au point et personne n'en parle jamais. C'est le dessous des cartes, comme dirait le défunt, le fils de Paul-Émile Victor, qui faisait le dessous des cartes. Ah oui, sur la 5. Le fils d'Eliane Victor et de Paul-Émile Victor. Lui me regarde parce que c'est... ça devait être, est-ce que la télévision existait à cette époque? Est-ce que c'était en noir et blanc? Est-ce que c'était en 1067 lignes? Non, c'était du SECAM déjà. Bon, Dominique Legault veut un logement de fonction. Ah non, il va fixer la liste des emplois et conditions d'occupation des logements de fonction pour les agents de la filière de la police. C'est poétique comme titre, ça. Les agents de la filière de la police, ça s'appelle... ça s'appelle comme ça. Ah bon. Bon. Catherine Duvalet nous parlera du dispositif d'astreinte. Je ne sais pas lequel, mais elle veut nous astreindre à quelque chose dans un dispositif. Du personnel. Médecine préventive, convention d'adhésion avec le centre de gestion de l'heure. Et on finira par le tableau des effectifs. Toute personne ayant plus de 15 minutes de retard par le train
et ayant prétendu arriver plus vite que Ousmane Diaye en étant dans le même train, mais qui arriverait en retard, est désigné d'office secrétaire de séance. Celle-ci se sera reconnue, et c'est grâce au Bassou qui... Pour les 2-3 années à venir. Alors, Madame Montmaillère, qui est devant moi, nous a donné gentiment une remarquable photo que je n'avais pas vue, mais qui est assez terrifiante. Non, je n'ai pas approuvé, mais elle est terrifiante. Vous avez le 13 juillet 2018 l'inauguration du nouveau poste de police municipale. Voilà, là, c'est quelque chose. Avec la meilleure amie de Monsieur Legault, qui est Madame Legault. Et donc, vous avez tous les deux sur la même photo. Voilà. Et donc, la recommandation de Madame Montmaillère, c'est de le signer discrètement, ce procès-verbal, autour de la table. Mais est-ce que je dois le faire approuver ? Ah, d'accord, parce que... D'accord. Voilà. Donc, on commencera par ça. Quelques informations générales, je vais vite. On me dit de vous dire qu'il y a des commerçants qui se sont installés. La brasserie, la factory, qui marche bien, vous vous en êtes aperçu, et qui marche, je dirais, assez sainement. Un traiteur qui a été aidé par Dienaba Ngam, dans le cadre de l'opération Crête à boîte, sur lequel nous sommes très présents, puisqu'il y a beaucoup de candidats. Il y en a qui ont fait des food trucks, il y en a qui ont fait des choses. C'est le couscous, c'est nous. Et vous avez vu qu'à l'étonnement de tous, 136 rue Grande, le Barber Club, qui n'est pas le club de la famille Barber, mais un barbier, s'est installé et que c'est pas si mal pour ceux qui ont été se faire la barbe. C'est le retour. Jean-Jacques, j'avais essayé de dire, je me mordais les doigts pour pas la faire. Eh ben moi, je suis là pour ça. Mais d'un côté, ça m'a fait plaisir qu'on la fasse quand même. On va tous finir avec Harvey Weinstein. Hein. Bon, c'est pas bien ça, ce qu'on vient de faire. Bon, et la poissonnerie restaurant, les délices de la mer, va ouvrir en bas de l'immeuble dit Monveto, et la boulangerie ouvre le 5 novembre à pas d'heure. Le 5 novembre, j'ai vu qu'il y avait une inauguration à minuit et demi ou à peu près. Elle va être un peu avancée quand même. Donc ce sera dans la soirée du 5 novembre que nous l'inaugurerons, et la poissonnerie-restaurant ouvrira aussi le 5 novembre. Et, 5 novembre, poissonnerie à Monveto. Le nouvel immeuble que la Siloge a fait avec le type qui est vétérinaire en briques. Non, c'est un signal. C'est signal ? Bah oui. Je croyais que c'était mon veto, moi. Ah oui, non, mais ça là, signal, je le maîtrise totalement. Je le voyais là. Je croyais parce qu'il est plein de place, l'immeuble signal. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait également une boutique de pièces détachées automobiles. Non, mais imaginez que le poissonnier et les pièces détachées automobiles confondent. Ok. Donc, juste un petit rappel. Quelqu'un nous avait dit qu'il y avait plus de commerce à Val-de-Reuil qu'il y en avait en 2000. C'est bon à entendre. Je n'ignore pas que le centre dit des falaises n'y est pas pour rien. Mais c'est plutôt une bonne chose de voir qu'il y a des commerces plus divers, des commerces qui avaient disparu. Poissonnerie, boucherie, nombre de boulangeries. Je vous rappelle que ça avait disparu quasi totalement et que ça revient à Val-de-Reuil. Et comme les commerçants sont tous des philanthropes, n'est-ce pas, Lisbeth ? On sait que c'est parce que ça marche pas du tout, justement, qu'ils reviennent. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose. Crête à boîte, Dienaba m'a dit qu'il y a 44 prospects accompagnés, 3 projets créés, 10 projets de création, de récréation, ce serait bien. Et que tout ça s'est vu aujourd'hui, d'ailleurs, de 10h à midi. Un mot, peut-être, Fadila, tu y étais ou... Non, malheureusement. Au travail, ce qui arrive à beaucoup de gens. Et c'est un dispositif qui, par le bouche à oreille, fonctionne très très bien sur la ville, avec bon nombre de jeunes futurs créateurs d'entreprises qui poussent le pas de la porte de la maison des projets pour venir se renseigner et être pris en charge par la succession d'organismes accompagnants, aussi bien sur le financement que sur la structure juridique à adopter. Et c'est vrai que les 44 porteurs de projets ont le sentiment d'être enfin dans un parcours personnalisé qui n'est pas un dédale sans fin, comme on peut connaître d'autres chefs d'entreprise à d'autres époques. Bon. Et on sait que Dienaba est quelqu'un de très bien qui travaille pour la mairie, et c'est tant mieux. On voit des choses sortir. Il y a le food truck qui est apparu sur le marché. Il y a une manifestation sportive. Il y a couscous, ouais. Il y en a d'autres. Oui. Tout ça n'est pas si mal. On nous dit que 100 balles, la construction du groupe scolaire Les Cerfs-Volants et le complexe Léo Sportif Léo Lagrange, puisque 135 candidats ont déposé une offre. 6 candidats ont été retenus, 3 pour le complexe sportif, 3 pour le groupe scolaire. Que les candidats remettront leur offre le 22 novembre 2018 et que
les réunions de jury se tiendront le mardi 11 décembre 2018, sans moi, puisque moi je tiens la jury de la maison de la cosmétique à Chartres, où le maire, là-bas, le maire est très dur, il a dit c'est le 11 décembre ou rien. Lui, il n'est pas bête ce gars. Voilà. Et puis, normalement, il faut que le candidat ait été retenu avant le 31 décembre et qu'après, il fasse une... comment ça s'appelle APD, voilà. APS, pardon. APS d'abord, simplifié, et après développé. Donc, mais c'est le AP qui me manque. AP, c'est quoi de... Non. Avant projet sommaire, avant projet détaillé. C'était le AP, voilà, exactement. Donc, ça se lance. L'ANRU, on a un moment qui est très important, qui est le moment où on va passer, comment dire, l'oral. Et cet oral, on a réussi à le placer le 19 novembre. Donc le 19 novembre, on saura combien d'argent on a. La ville essaye de demander quelque chose comme 100 millions d'euros, c'est ça? La ville est 1 28, on me dit. Bon. Et donc, ce serait bien que, voilà, qu'on s'en sorte le 19 novembre. Voilà, le mieux possible. Et puis, enfin, il y a le plan de sauvegarde de la gare Ancière qui est en marche. Moi, je ne pourrais pas y être, mais je sais que vous êtes nombreux à y être, Jean-Jacques, Marilyn, Catherine, je crois, Dominique. Voilà, très bien. Sécurité, mise à jour du plan communal de sauvegarde sous le pilotage de Dominique. Tu veux en dire un mot, Dominique, peut-être? Non? Oui. Voilà. Donc ce plan de sauvegarde, on le travaille avec Angélique, Chassis, Michael et Bruno, mais j'ai oublié son nom de famille, excusez-moi. Tout le monde l'appelle Bruno depuis tellement longtemps que c'est monstrueux. Voilà. Donc là, on a eu une première réunion avec le capitaine Drieux des pompiers pour nous donner un peu les directives... pour ce plan de sauvegarde, surtout sur les risques de l'industrie dans la ville, d'inondations et tout ça, quoi. Donc, normalement, on a établi des réunions au moins trois mois pour le mettre en place. Et après, il sera édité un flyer qu'on pourra mettre à disposition du public. Voilà. OK, merci Dominique. J'ajoute qu'on a maintenant quatre... médiateurs qui sillonnent la ville, M. Ndiaye, M. Ndongo, M. Biour et M. Achaboun. Et on me dit par ailleurs, c'est les statistiques qui me le disent, que la ville est apaisée. Et je trouve, tu lis comme moi les rapports de police, on est plutôt dans de l'ennui familial ou des choses comme ça que dans des choses plus compliquées. Sans chance, sans emploi à commencer, je crois que Alain El-Ouadigui veille dessus et il veille bien, professionnel en action. On a vu qu'il y a peut-être d'autres actions qui vont venir s'ajouter, notamment que la Fondation Adéco, j'espère que ça va fonctionner, pour créer de l'emploi. La bonne nouvelle que nous a dit Alal lors du séminaire, c'est que le chômage avait plutôt baissé à Val-de-Reuil et que le chômage des jeunes, notamment, avait baissé à Val-de-Reuil, ce qui est plutôt une bonne chose et qui confirme d'autres choses. Enfin, on a beaucoup de problèmes de ce point de vue-là. Également, en termes de sécurité, Dominique ouvre des chantiers jeunes à la Toussaint. Le problème des chantiers jeunes, je le dis à tout le monde, et je profite du conseil municipal pour le dire, c'est que franchement, il faut qu'on mette de l'ordre dans les candidatures, qu'elles arrivent toutes à Dominique, parce qu'après, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on connaît tous généralement un môme qui aimerait bien le faire, qu'on se restreigne un peu, parce qu'à la fin, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On essaie d'en faire... Il y en aura combien d'engagés à la Toussaint? À la Toussaint, on en a une dizaine d'engagés. Voilà, qui sont déjà sélectionnés. Oui. Bon, ben... Donc, un coordinateur, deux encadrants, 14 lycéens, un TIGE, un RP. C'est quoi RP ? Réparation judiciaire. C'est RJ, alors peut-être, non ? Bon. Parce que RP, je croyais que c'était... Réparation pénale. Réparation pénale. Oui, c'est ça. Parce que, oui, ça doit être ça, parce que RP, je pensais relations publiques. Je pensais que Dominique avait un agent de relations publiques en même temps qui faisait des choses. Le CCAS va lancer le revenu étudiant Relis Valois. Vous nous en dites un mot, Marilyn, peut-être ? Voilà.
Donc c'est un dispositif qu'on met en place, enfin qu'on a déjà mis en place depuis un certain temps, mais qu'on a souhaité cadrer. C'est quelque chose qui faisait partie de notre programme municipal, qu'on avait commencé à initier avec Bernard Cancalon, qui avait forcément pris un petit peu de retard. Avec Michel, on s'y est attelé, et ça y est, donc on va pouvoir proposer, on propose maintenant aux jeunes Rolivalois qui souhaitent faire des études supérieures, de pouvoir les aider dans leur logement, inscription, transport, etc., en s'adressant donc au CCAS. Pour l'instant, on se contente de 20 dossiers. C'est déjà fait. À tous les âges, Jean-Jacques. L'action Bourse Sport a l'air également intéressante. Là, je vois qu'on permet d'aider des familles à ce que leurs enfants fassent des pratiques sportives. Il y a 58 dossiers, donc 58 enfants, ce qui est quand même pas mal. Je vois que le classe a été relancé aussi. Et puis le dispositif d'accès aux loisirs, qui n'est pas toujours connu, est relancé aussi de telle manière que 173 enfants puissent bénéficier d'un accueil de loisirs ou participer à un séjour jeunesse, c'est cela ? Vous êtes d'accord, Monsieur Balu, Madame Dordain ? C'est formidable. Bon, c'est une conduite nouvelle chez vous d'être toujours d'accord, parce que vous n'avez pas toujours été. Ah, d'accord. Bon, on me dit de vous lire un truc sur le site internet de la ville qui serait magnifique. C'est Madame Jégu était en train de faire sa pub discrètement avec Paris Normandie, et on le sait. Elle me dit qu'on a un nombre d'abonnés Facebook absolument extraordinaire, que les gens sont heureux, qu'ils reviennent, qu'ils suivent son tweet, et que le nombre de gens qui ont le plus regardé de pages se sont précipités vers celle de la Factory. Faites une entrée remarquée. Couscous, c'est nous. La piscine, la fête de la ville, le Barber Club, le menu des cantines, les sports, le CCAS. Enfin bref, il y a 1234 personnes qui ont lu que la Factory faisait sa rentrée en septembre. Voilà, donc on est très content de ça. La fête de la ville, je pense que ça a été une réussite. C'était assez sympa, peut-être qu'il aurait pu y avoir plus de gens, mais enfin, on était dans un temps qui était un peu mitigé, et les chorales étaient vraiment belles, on n'a pas eu d'ennui avec les forains, voilà, donc on en est plutôt content. L'Opéra Butterfly, on est la deuxième réussite après Rouen de la retransmission, largement avant d'autres villes, je pense que c'était pas mal. Du coup, l'Opéra nous a dit qu'il faisait le Barbier de Séville en septembre 2019, et surtout le 7 juin, l'Orchestre de l'Opéra viendra à Val-de-Reuil, jouer en plein air, pour les Rolivalois gratuitement. Et d'une certaine façon, c'est la poursuite ou c'est la récompense du fait que nous avons été nombreux à voir Butterfly. Et moi, j'en suis très heureux. Et c'est tant mieux. On me dit qu'il y a plein de gens qui ont pris leur poste dans la ville, que je dois vous annoncer que M. Roman de Fursa est devenu un poste dont on n'avait pas besoin, ingénieur informatique pour la ville. Et ça, Dieu sait que tout marche bien, qu'il n'y a aucun problème et tout va. Mme Duvalet a un petit sourire amusé. M. Jérôme Lecomte est devenu électricien. Mme Fanny Basile prend la direction de la crèche familiale. Et puis, on a une Stéphanie et Richard qui est une assistante maternelle agréée. Et M. Boris Bouguera, qui a l'air sérieux, a rejoint le service des finances. Et M. Coquelet. Ça rigole pas. Voilà. Et exactement. Il y a Mme Marien qui est là. C'est, voilà. Et M. Barbeur, Jérémy. Alors, il y a de nombreux barbeurs. Ils sont tous grands. Devient maître nageur, sauveteur à la piscine. On me dit de ne pas oublier de vous dire divers événements. Du lundi 17 septembre jusqu'en décembre, il y a l'action Bourse Sport. Ben ça, on vient d'en parler. Il y a des tas de choses. Dimanche 14 octobre, le marathon 7 heures. Moi, je fais une opération de porte ouverte dans mon entreprise. Donc c'est moi qui tiens la porte. Donc, je ne serai pas là. Je ne pourrai pas et je travaillerai. Donc, je compte sur vous. On a eu un petit différend avec le marathon sur l'arrivée. Vous vous souvenez que depuis très longtemps, il avait été convenu que le marathon arrivait devant la mairie. Et là, c'est comme si on mettait des chaussettes dans la machine à laver, elles ont rétréci. Et donc, au lieu d'arriver à la cheville, les chaussettes arrivent uniquement au talon. Et donc, le marathon a perdu 50 mètres et il arrive plutôt devant le théâtre. Donc, j'ai demandé au service des sports et à Mme Dordain, autant que faire se peut, que l'ensemble des circulations se fasse quand même devant la mairie où reste le village. Mais je regrette un peu les 50 derniers mètres qui faisaient, au prix d'un accord qui avait été on ne peut plus compliqué entre des gens aussi importants que M. Martin et quelques autres. On avait pratiquement fixé au centimètre près l'arrivée de ce marathon. Et là, c'est les marathoniens qui l'ont un peu changé d'eux-mêmes. J'ai vu M. Le Cartier il y a à peine une heure. Il m'a dit, un jour, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, il n'y aurait plus de bénévoles. Et je lui dis, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, il n'y aura plus de maire. Et là, il a été un peu étonné. Et puis, il a fait, bon, il faudrait mieux qu'il y ait encore un maire.
Je lui ai dit que là-dessus, on se retrouvait. Voilà, mais c'était quand même moyen. Le 21 octobre, il y a les puces moto. Et je pense que les choses se feront bien en termes de signalétique. Le plus, il y aura de stands d'amis de la ville. Et ce sera bien. Les chantiers jeunes, on en a parlé. Et puis, le 28 mars, il y aura le Forum de l'emploi. C'est dans longtemps. Je crois qu'il y a deux, trois autres moments importants, mais que j'ai totalement oublié. Il y a le 5. Il y a très bientôt l'inauguration d'Amex. Le 12 octobre. Les championnats de France de kayak adapté à Valourec. OK. Qui ont lieu. En même temps que le marathon. D'accord. Voilà. Et il y a d'autres inaugurations prévues, autre chose comme ça ? Non ? OK. Mais le 12 octobre, n'oubliez pas une trentaine de maisons qui se sont construites le long de la rue Courtine et qui sont inaugurées à quelle heure ? À 18h par Amex. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis il y a le 11 novembre. Il ne faut pas oublier non plus parce que c'est un dimanche. Et donc on sait qu'on a plus de monde quand les week-ends sont de 3 jours, paradoxalement, parce que tout le monde se dit j'ai au moins 2 jours tranquilles. Et que quand c'est un des 2 jours de week-end, on a testé pour vous le 14 juillet et le 8 mai, il y a un peu moins de monde. Donc il faudra qu'on se débrouille pour avoir un peu de monde. Et dernière chose, le CFA a fait quelque chose de remarquable qui était peu annoncé. C'est que ces 1500 artisans, apprentis, pardon, ont défilé dans la ville. Bah, c'était drôlement impressionnant. Il y a quelqu'un qui a posté un petit film sur Internet. Et de voir tout le monde qui passe comme ça devant la rotonde, c'est quand même sacrement impressionnant. Et puis, voilà, ils étaient grands et bien bâtis. Et beau. Voilà, et beaux. Ouais. Voilà. Voilà. Canoë kayak, on me l'avait mis dans un truc. Voilà exactement où nous en sommes. Le compte-rendu des délégations. On a réalisé des emprunts. On a emprunté 2 millions d'euros, comme on le fait chaque année, à peu près, pour 15 ans. Au taux fixe de 1,31%. Dépêchons-nous parce que les emprunts, normalement, on va avoir des taux qui pourraient remonter. Là, on dit qu'on en est proche. Voilà, on a signé plein de marchés publics, fourniture de repas en liaison froide avec Scolares, mise en accessibilité des groupes scolaires avec la salle Dolpierre, ça ne nous a pas coûté cher, 9 000 euros. Mise en accessibilité des groupes scolaires avec la salle Doumouchel, 40 000 euros. Dédoublement des CP-CE1 pour 14 000 euros. Je rappelle qu'on a 2 fenêtres à faire au domino. Vous vous en souvenez. Le dédoublement CPCE1, toujours de Mouchel, pour 20 000 euros. C'était toujours le dédoublement Pelekia pour 10 000 euros. J'imagine que ce sont dans des groupes scolaires différents, que ce n'est pas les mêmes lots. Dédoublement CPCE1, la salle Dolpierre pour 15 000 euros, c'est la peinture. Sécurisation des groupes scolaires pour 200 000 euros, avec la compagnie normande des clôtures. Sécurisation des groupes scolaires, électricité, le Team Réseau, 45 000 euros. Sécurisation des groupes scolaires, film anti-déflagrant, 35 000 euros. Le petit film, ça coûte 35 000 euros. Je vais peut-être faire ça, moi, dans la vie. Oui, enfin, quand même. Réfection de la charpente en lamelle collée du gymnase du parc, 118 000 euros. C'est pour pas qu'on voit à l'intérieur, afin qu'un tireur fou ne choisisse pas des enfants ou des maîtres en tirant de dehors. C'est une recommandation qui est plus qu'une recommandation du ministère de l'Intérieur. C'est pour occulter les fenêtres et qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière. C'est pour éviter les tueries façon américaine. Voilà. Louage de choses. On a loué un logement voie Marmaille à 540 euros par mois. C'est nous qui l'avons loué à des extérieurs. Voilà. Et puis, on a loué des locaux à la classe relais, maison du département, sur la route des Falaises. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est... Voilà. Puisque la classe relais qui était à PMF est maintenant à Montaigne. Et qu'on regarde ça, ce qui est un peu bizarre, avec le collège Michel de Montaigne. Et enfin, on a payé plein d'années. On a obtenu ou... Obtenu 763 euros et 439 euros d'indemnité d'assurance sur des sinistres de véhicules. Et je remercie tous nos agents qui ont eu des accidents, parce qu'ils vont nous permettre de boire un pot à la fin, donc pas du tout. C'est 1 000 euros. On a commencé également, et c'était attendu depuis très longtemps, les travaux Voies de l'Épargne sur le parvis de Léon Blum. Ils vont durer 6 mois. Et c'est des travaux qui, je l'espère, vont rendre les gens plutôt heureux et contents, de même que pas mal de tranches de trottoirs vont être mises en œuvre au mois d'octobre, novembre. Et que ça va être une bonne chose. J'ai pas oublié d'autres travaux qui commenceraient. Et la voie de l'Orée qui va commencer également et qui va être une bonne chose, qui va desservir notre cimetière et ralentir le trafic sur la voie blanche par un rond-point. Donc la voie de l'Orée, je rappelle que c'est la voie qui double la route des Falaises et qui arrive un peu au-dessus du gymnase, pas du gymnase, de la halle d'athlétisme Jesse Owens et qui va poursuivre la chaussée de Ritterhood jusqu'au cimetière. Ce qui fait qu'on n'accédera plus au cimetière par le haut et en passant par les écuries. Christian Philippe, les écuries de la voie blanche, mais on passera pour aller au cimetière en montant la voie Frédégonde, ce qui est
plus correct, plus digne et peut-être mieux pour les gens, bien que les principaux intéressés dans ces cas-là, ils soient assez peu sensibles. Voilà, c'est ce que nous allions tous dire. On me dit de vous parler du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes. On me dit, et par ailleurs, je suis obligé de le faire, puisque je dois vous en tenir compte, théoriquement, vous le dire, et voilà. En matière financière, la Chambre constate une situation meilleure en 2016 qu'en 2012, avec un excédent brut de fonctionnement de 21,5% des produits de fonctionnement, c'est-à-dire ce qu'on peut mettre dans l'investissement, ce qui n'est pas si mal, qui s'améliore en raison notamment de l'augmentation des ressources fiscales. Ça, si on lit entre les lignes, ce n'est pas exclusivement le travail de la mairie, ou alors c'est son travail indirect d'attractivité. Et une gestion dynamique de notre dette. Cela a permis de réaliser un effort d'investissement de 32 millions d'euros sur la période observée. La période observée, c'est 2012-2016, 4 ans, ce qui n'est pas mal, apparemment, sans augmenter les taux de la fiscalité communale, fait remarquer la Chambre régionale. Quelques retraitements comptables ont dû être opérés pour permettre à la Chambre de déterminer la capacité d'autofinancement réel de la ville. Celle-ci a évolué très positivement, passant d'un solde négatif, ce qui est évidemment une capacité assez faible, un solde négatif en 2012, à un solde positif de 500 000 euros en 2016. Et là, on y voit le travail de fond de Jean-Jacques Coquelet et de Madame Marien. Il est à signaler que les retraitements opérés concernent le remboursement du bail emphytéotique administratif qui concernait le centre technique municipal. C'est les vastes appartements de M. Aurière qui osent encore être au premier rang après l'argent qu'il a dépensé. Et le PPP de l'éclairage, les deux faisant 25 millions d'euros. La Chambre prend acte du fait que notre stratégie est fondée sur l'amélioration de l'autofinancement. Considérant l'endettement, la Chambre constate une baisse globale de l'endettement, ce qui n'est pas plus mal. Il est passé de 37,4 millions à 35 millions en 2016. Notre désendettement va moins vite qu'il l'a pu aller. Mais je dirais un peu comme M. de la Palice que si on se désendette, c'est qu'on ne s'endette pas et qu'on fait ce qu'on peut et que c'est déjà 2,5 millions de dettes qu'on a en moins. Ce n'est pas plus mal. Une gestion épurée des emprunts avec la renégociation des deux emprunts à risque, Jean-Jacques, que nous avions identifiés, qui représentait en 2012 42% du montant de la dette. Donc on a moins de dettes, et qui plus est, elle est plus solide, pas plus solide dans le sens où on aura plus de mal à la rembourser, mais elle est moins risquée, et dans les temps qui courent, où les taux variables vont à nouveau bouger probablement, mais comme disait Jean-Jacques à l'instant, ça fait 4 ans qu'on dit que les taux vont remonter, donc que les taux variables vont bouger. Si jamais les taux variables devaient bouger à cause de quelques manifestations considérées de M. Trump, notamment, eh bien, on se retrouverait dans une meilleure situation qu'il y a 2 ans. Et puis, la renégociation de la dette différée auprès de l'État a entraîné la baisse des annuités, et la Chambre régionale nous en félicite. La Chambre précise ainsi que la dette au sens large a évolué de 56 millions d'euros à 44 millions d'euros en seulement 4 ans, soit moins 12 millions d'euros. Là, c'est quand même assez costaud, si je puis me permettre. Je ne voudrais pas qu'on s'adresse des félicitations, mais ce moins 12 millions d'euros, il est quand même très fort. Je ne voudrais pas aussi qu'on se console quand on se compare et qu'on se félicite quand on... je sais pas quoi. Mais parce que, regardons les autres, ils ont plutôt augmenté leur dette, en règle générale, voir ce qui se passe à... J'allais citer cette ville-là, Évreux, et si on lit très correctement Paris-Normandie et les épisodes du petit Lefranc. Voilà. On nous dit qu'il faudra évidemment tenir compte des remarques émises par la Chambre concernant la technique des écritures comptables dans ce domaine. Et donc, on a envoyé Madame Marien en formation pour qu'elle corresponde exactement aux écritures comptables que souhaite la Chambre. Vous êtes bien d'accord, Madame Marien? Je crois que c'est 2-3 ans de formation là, qui vous attendent avant de revenir, bien évidemment, ici. Voilà. La mise en place d'un programme pluriannuel d'investissement, ça, on sait qu'on l'a fait, on commence à le faire, hein, si je me rappelle bien. Oui, non, mais on ne l'a pas toujours fait. Et donc, maintenant, on est en AP et en crédit de paiement. Voilà, autorisation de programme, crédit de paiement. Donc, là aussi, on a fait des progrès. Je préfère le progrès de diminution de la dette et le progrès d'augmentation d'investissement que le progrès de meilleure tenue des écritures comptables. Mais c'est vrai que bien tenir les écritures comptables, c'est être honnête. Voilà. Et donc, tout va bien, en tout cas. La gestion des ressources humaines, là, je pense qu'on va se faire un peu engueuler, non? La Chambre constate que nos objectifs de maîtrise de masse salariale et d'efficience de notre organisation sont attestés, ah non, pas trop, par les éléments issus de notre débat d'orientation budgétaire de 2017. La Chambre a constaté les différentes importantes évolutions mises en place au cours des derniers mois, fiches de poste individualisées, mise en place d'entretiens individualisés. Je veux dire qu'il faut remercier Mme Barbet, parce que tout ça est plus professionnel que ça n'a été, en sachant que ce n'est pas du tout jeter la pierre auprès des saisons de Mme Barbet. La gestion des ressources humaines à Val-de-Reuil, c'est quand même coton. On a l'impression d'être dans une ville de 200 000 habitants, tellement il y a de statuts, tellement il y a de temps partiel, de choses compliquées, de gens qui s'en vont, qui reviennent. Ce n'est pas évident. On nous demande de continuer à mettre à jour l'organigramme des services et de poursuivre le travail initié, notamment la production d'un bilan social annuel,
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui a déjà été mise en place, celle-ci. Je veux dire également que je remercie Catherine, comme Jean-Jacques, comme Dominique, comme d'autres. On voit plus souvent dans des réunions administratives les délégués du personnel, les représentants du personnel pour des comités administratifs paritaires et comités techniques paritaires, et ça marche mieux. Il y avait une question spéciale sur le périscolaire et le scolaire, c'est ça ? C'est un focus spécial. Mais c'est un focus qui était sur nous ou sur tout le monde ? En général, sur les missions de la Chambre générale des comptes. D'accord. En général. Ok. Et ils nous disent des choses. La Chambre relève la jeunesse de la population rolivaloise, le nombre d'équipements scolaires, le poids des dépenses correspondantes. Elle voit qu'on a connu une baisse de la population scolarisée, mais qu'elle remonte. Et la Chambre note une hausse importante en maternelle depuis 2016. Et s'ils sont maternelles, normalement, on devrait les voir arriver en école primaire. Et je n'ose le dire pour Pascal Lehongre, on pourrait même les voir arriver dans les collèges. La livraison de nouveaux programmes immobiliers, comme celui du quartier de Noé, par exemple, a permis la venue de familles, couples plutôt jeunes et donc d'enfants. Comme la relève la Chambre, il paraît indéniable que les effectifs scolaires croissent à nouveau depuis la rentrée 2015. On devrait lui donner à M. Lehongre ce livre. Et plus loin, la tendance récente est imputable à la livraison de nouveaux logements en territoire communal. Vous l'avez dit. Oui, tant mieux. Voilà, des mouvements internes de population scolaire, des impacts induits sur la SCAD scolaire. Et nous y répondons par la construction des cerfs-volants, c'est cela. Ouverture de 4 classes de très petites sections, création de 3 postes d'ATSEM, etc., etc. Bref, ça augmente. En 2014, la part des dépenses scolaires représentait 14,5% des dépenses dans les communes de plus de 10 000 habitants, contre 18% des dépenses réelles et 16,9% des dépenses totales de fonctionnement à Val-de-Reuil. Je pense qu'on pourrait conclure en disant qu'on fait un effort plus important que les communes de la moyenne. Voilà. La commune a, grâce à ses importantes ressources financières, ça c'est ça l'eau d'avoir écrit ça, mis en place très tôt les moyens nécessaires au développement d'une éducation populaire de qualité. Les choix faits par la commune destinés à offrir à un public en difficulté des meilleures chances d'éducation, tant au niveau de l'éducation nationale que de l'éducation populaire, entraînent de par les effectifs qu'ils requièrent des coûts importants. C'est un secteur majeur de la politique municipale dont l'organisation mérite d'être étudiée avec soin. Grosso modo, faites attention. Voilà. Il y a des recommandations, je vous les lis in extenso parce que je suis censé vous les lire, si je me rappelle bien. Monsieur Tristan a la gentillesse de me dire c'est ça. C'est ce qu'on ne fait pas bien ou c'est ce qu'on pourrait faire mieux. Sur la gestion comptable et financière, instaurer un dispositif de contrôle de gestion, que je m'efforce de faire d'une certaine façon, monsieur Tristan aussi, mais c'est vrai que s'il était extérieur et dédié, ça serait mieux. On s'améliore là-dessus ou pas? Et on s'améliore à part que vous me dites oui, comment? Alors, il y a beaucoup de bon qu'on fait et qui permet notamment de mettre en place des outils de pilotage. D'accord. Et ce recrutement, c'est quoi, monsieur Tristan ? Monsieur Bouguera. Monsieur Bouguera permet de faire du pilotage et donc de faire plus attention. Ariane Tafani, d'accord. Bon. Donc les petits jeunes que vous avez vus qui sont rentrés au service financier et qui sont sous la houlette de madame Marien vont nous aider. Ils sont mordants, dit monsieur Coquelet. Faire délibérer le conseil municipal sur un plan pluriannuel d'investissement, c'est compliqué avec l'ANRU. C'est ça. Parce qu'on a un plan pluriannuel d'investissement, ça s'appelle l'ANRU, et d'une certaine façon, c'est l'ANRU qui nous le fixe. On n'a pas d'autres investissements. Sur la gestion des associations, valoriser les aides en nature accordées au secteur associatif, ça c'est une vieille demande de la Chambre qui veut qu'on mette noir sur blanc ce que coûte un gymnase quand c'est un club qui... etc. etc. Est-ce qu'on va pouvoir le faire, madame Marien, ou pas? On l'a déjà fait, normalement. Hein. Et qu'est-ce qui manque, alors, madame Marien? Par exemple, quand madame... Combe va donner une association à la CRI, elle devrait mettre également coût de 4 heures chaque soir entre 18h et 22h et donc mettre un loyer en face. Voilà, oui, oui. Attends, mais je fais de la pédagogie pour que nous le fassions à la fin. Mettre en place un dispositif formation spécifique des ATSEM. Tu as quelque chose à dire, madame Duvalet, là-dessus ou... On a déjà commencé à faire des formations, mais qui doivent aller plus loin. D'accord. Réaliser le document unique d'évaluation des risques, ça ne doit pas être compliqué à faire. C'est en cours. Ça, j'adore quand c'est en cours. C'est ce dont on parlait à l'instant avec Dominique Legault. Très franchement, pour avoir été... Mettre à jour l'inventaire des immobilisations, ça, je pense que... Hein ? L'objectif, vous allez compter toutes les chaises les unes après les autres ? Non, mais sérieusement, c'est quoi ces immobilisations qu'on doit... Attendez, là, je vais être très clair. Ça n'a jamais été fait dans la commune. Donc, depuis, on va pas... Voilà. Et donc... Non, mais... On laisse madame Maria, qui n'a pas le droit de parler, mais comme
ses derniers conseils municipaux ou presque, elle a le droit de faire exactement ce qu'elle veut. Si elle veut danser sur la table, elle a le droit. Madame Marien, une danse. Vous rendez compte, y compris dans cette pièce. Si je me rappelle bien, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, c'est un don du maire, à titre personnel, à la suite d'une campagne politique. Victorieuse. Voilà. Non, mais je veux dire, on n'a jamais fait ça. J'ajoute également, pour dire ouh à M. Aurière, qu'il y a plein de mobilier neuf dans les endroits de stockage de la commune et qui ne demandent que des directrices d'école ou des associations pour trouver un bénéficiaire ou un détenteur. Donc on avait dit qu'on essayait de tout sortir, voilà, et d'essayer de donner du matériel neuf qui est rangé pour le moment dans les entrepôts. Alors, respecter la réalisation des restes à réaliser, ça c'est des trucs de cuisine, c'est quand il faut faire du hachis parmentier, quand il y a du bœuf Mironton. Oui. Bon. Ok. Bon, Madame Ouaret, vous êtes assise à côté de Madame Marien. Prenez-en de la graine pour voir une fonctionnaire qui s'adresse aimablement et respectueusement à son maire. Et puisque nous travaillons ensemble depuis si longtemps, il est temps que vous changiez, Madame Boiret. Non, mais je vous le dis comme ça entre nous. Là, j'en profite que Madame Maria vous donne le bon exemple. Voilà. Allez, on a fini donc la Chambre régionale. Est-ce que ça donne lieu à un vote? C'est un pro-acte. Allez, Madame Benamara, c'est aussi quelque chose d'assez simple. C'est la justification de la dotation de la politique de la ville. C'est un exercice un peu obligé chaque année, je crois, non? Tout à fait. Donc, dans la même veine que la DSU, la dotation de solidarité urbaine, nous avons, depuis que la loi des finances l'a inscrite en 2009, une dotation politique de la ville qui, cette année, bénéficie encore à Val-de-Reuil sous la forme d'une enveloppe de 569 622 euros cette année. Et ce soir, nous vous présentons donc la ventilation de ces fonds, comment ils vont être dépensés. Bien, ils vont être dépensés autour de quatre objectifs qui sont quatre priorités municipales. Le programme de lutte pour l'égalité des chances, à travers des actions autour de la culture et l'éducation, comme Cinéthé 2018, danse et musique à l'école, une participation au salon des illustrateurs, le passeport culturel mis à disposition de bon nombre de jeunes relivalois, également fléché autour des actions autour de l'emploi, donc participation pour le forum de l'emploi, pour le dispositif sans chance, sans emploi qui vient de reprendre du service encore à Val-de-Reuil, et puis l'autre dispositif professionnel en action autour des femmes soucieuse de retrouver une vie professionnelle après avoir été mère au foyer et qui, avec le bouche à oreille, je crois, est débordée par le nombre de candidates qui se sont déjà inscrites à ce dispositif. Et dernière action, toujours autour de l'égalité des chances, donc la rénovation urbaine à travers le service gestion urbaine et sociale de proximité, la médiation auprès des jeunes, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, les quatre recrutements de médiateurs, les chantiers jeunes qui font le plein également. Donc ceci représente un premier volet avec un niveau de financement aux alentours de 878 065 euros, précisément d'ailleurs. Et la dotation sur ce budget initial sera donc de 351 579 euros, à peu près donc 40%. Le deuxième volet de cette DSV, sera consacré à l'aménagement de la zone d'accueil autour de la crèche du Puy-Volet, qui jouxte l'école du Puy-Volet et qui, comme vous le savez, est dans le renfoncement, avec une visibilité moindre, un accès pour les familles et pour les poussettes parfois acrobatiques. Et l'objectif est d'inscrire des investissements en termes d'aménagement de cette zone pour la sécuriser et permettre un accès plus facile à la soixantaine d'enfants et donc de parents qui fréquentent cette structure municipale. La dotation représentera à peu près 35% du montant des investissements requis, qui s'élève donc à 290 000 euros. Et cette sub
subvention représente donc 101 879 euros. Troisième grand projet phare de cette ventilation de cette DSV, la rénovation de la maison de la jeunesse et des assos, qui, comme vous le savez, est installée dans les anciens locaux du Théâtre des Chalands, qui s'appelle dorénavant Maison de la jeunesse et des assos. Et depuis 2 ans, ce lieu a retrouvé vie, a permis d'accueillir un bon nombre d'associations et d'animations, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient faites par ou organisées par les associations elles-mêmes. Mais le lieu, qui est un ancien théâtre, ne se prête pas forcément à l'accueil dans les meilleures conditions pour y organiser une assemblée générale d'associations ou pour monter un spectacle avec les loges et puis le niveau de sécurité requis avec les exigences d'aujourd'hui. Donc, transformer ce lieu représente un budget non négligeable puisqu'il s'élève à 185 945 euros pour y aménager une salle de réunion et des bureaux administratifs, pour y créer un espace de stockage pour les associations qui y sont hébergées, et puis également pour réaliser un certain nombre de travaux pour répondre aux normes de sécurité et d'accessibilité désormais obligatoires. Donc pour 185 000 euros de travaux, la dotation représente à peu près 53% de ce budget d'investissement nécessaire et donc égale à 100 000 euros. Et enfin, quatrième et dernier projet, une structure qui fait son plein avec tous les gens soucieux de se familiariser aux outils numériques et informatiques, c'est-à-dire la cyberbase Isaac Asimov, tout à fait, qui fonctionne à temps plein tous les jours de la semaine, avec 2 animateurs qui réveillent et suscitent l'engouement pour les tablettes, le numérique, les montres connectées, aussi bien auprès des seniors de l'espace que des jeunes scolaires, que des personnes en recherche d'emploi. Et comme tout bon espace numérique dédié aux outils informatiques, ils ont besoin de renouveler une partie de leur matériel. Et à ce titre, dans cette enveloppe, nous allons donc ventiler 16 152 euros pour les 20 000 euros dont ils ont besoin pour acquérir ce matériel. Voilà ces 4 grands projets qui seront dévolus à ce dispositif pour lequel la ville s'est vue octroyer donc cette subvention globale donc de 569 622 euros. Y a-t-il des questions ? Moi c'est deux choses très rapides. Il faut qu'on veille tous à ce que le programme de la MJA soit un programme qui soit d'une neutralité politique totale. Je prends un exemple parce que la même association, je crois, a fait venir 2 pièces de théâtre totalement différentes. Première pièce de théâtre, il s'agit d'un vaudeville où, si j'ai bien compris, les conditions de vie au Maroc sont décrites de manière amusante et je crois que ça a fait du bien à tout le monde, à la fois de retrouver, avec ses racines, ses origines, sa culture, etc. Et de montrer également la modernité de la société marocaine. Une pièce plus récente qui devait avoir le mot « verte » dans son titre, parlait de manière lointaine de la marche verte et par là même avait un caractère un petit peu politique quand même. Non pas qu'on n'inscrira pas ça, bien évidemment, au procès verbal. Le fait que le Maroc ait récupéré le Sahara occidental pouvait avoir un sens, pouvait ne pas en avoir. Mais je veux dire, malheureusement, tout ça n'étant pas entièrement reconnu par tout le monde, je trouve ça embêtant et ambigu que nous l'ayons accueilli. Il faut encore sur le fond de l'opération. Moi, je garde mon opinion pour moi-même. Mais faisons attention. Et je crois que l'autorisation est passée un peu vite. Donc il faut rappeler à tout le monde qu'il y a quand même une autorisation, que les chefs de service ou les titulaires ou responsables d'un équipement ne sont pas les propriétaires de l'équipement, mais que le conseil municipal veille à respecter un certain nombre d'équilibres. Là, je pense qu'il a été un tout petit peu écorné, pas gravement, mais attention, et le sujet est récent, il date de 15 jours, je crois, ou d'un mois. Une semaine, voilà. Semaine. Voilà, ouais. Bon, voilà, donc là, voilà, donc faisons un tout petit peu attention. J'entendais autour de moi que si le Salon des illustrateurs voyait, comme d'autres peut-être manifestations, son organisation générale repensée, on aurait peut-être à ce moment-là... moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'on se mette avec le Festival d'Angoulême, qui se trouve, on peut connaître par plusieurs manières, ici, voilà, des choses qui nous permettraient d'aller un peu mieux de ce point de vue-là. Et ce serait bien qu'il y ait plus de... Tout le monde est d'accord, hein, oui, je crois, autour de nous, là. Et ce serait bien qu'il y ait plus de... spectateurs, voilà les 2 remarques que je me permettais de faire. Voilà, mais tous, le programme de la MJA peut concerner aussi bien Oli. Et dernière chose, je le dis à M. Tristan, dans ces cas-là, c'est bien que s'il y a un nouveau parvis de la crèche du Pivolet, que tout le monde puisse la voir
et le regarder. Donc on se dit que pour le prochain conseil municipal, tout le monde l'a en couleur dans son dossier. C'est quelque chose qui vise à faire sortir de la façade où elle est vraiment trop cachée, la crèche du Pivolet, et faire un pré-accueil qui fasse que la pelouse et le terre-plein qui est devant la crèche du Pivolet appartiennent vraiment à la crèche, de telle manière qu'en termes de sécurité, d'accueil, de convivialité, on ait quelque chose d'un peu meilleur. J'ajoute également que ça va nous permettre peut-être aussi de requalifier un peu cet espace. On doit reconnaître qu'entre la route de Louviers et la place des Chalands, même si on passe sous la voûte et la dalle au-dessus, l'endroit s'est plutôt amélioré. L'idée, c'est de continuer à l'améliorer et que quand on est depuis la rue des Compagnons et qu'on regarde en dessous, on est plutôt un bel aspect, que quand on passe sous la voûte, on a une petite place qui vous accueille et que quand on vient de la route de Louviers, on ait quelque chose qui fasse une continuité de la même nature et de la même classe avec la route des Falaises qu'on verra au loin quand on vient de la route de Louviers. Voilà l'idée, mais ça serait bien de le donner ou même peut-être de le donner plus rapidement par les moyens numériques qui sont les nôtres. Ok, merci Monsieur Tristan, merci Madame Montmailleur, qui ne sera pas pour rien à mon avis dans cette communication. Pardon, j'ai pris la parole. Non, je t'en prie. Un petit vote pour... Un petit vote. Ou d'autres questions, d'autres commentaires. Un petit vote derrière la cravate. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, merci à vous. La parole va être à Jean-Jacques Coquelet. Donc je lui signale qu'il a une DM2 pratiquement aussi... Une DM aussi importante, ou presque, que celle que la région a examinée tout à l'heure en commission des finances. C'est dire l'importance de la ville de Valeureuil en Normandie. Il faut vous appuyer. Hop, c'est bon. Ou bien la précision des prévisions budgétaires de la région. Oui, c'est ça. Donc, une DM, ben, vous savez ce que c'est. Hein. On a voté, on a établi puis voté un budget prévisionnel sur la base des données qu'on avait, de la connaissance qu'on avait à ce moment-là des projets qui étaient les nôtres. Il s'est écoulé du temps, des précisions sont intervenues, des informations qu'on n'avait pas sont là. Il a fallu faire face également à des inattendus ou développer des choses nouvelles qui semblaient s'imposer. C'est donc le moment de réajuster nos écritures budgétaires à travers cette première décision modificative. Alors, comme je vois que Géraldine me regarde avec une attention soutenue, et comme je suis sûr que vous avez tous lu assidûment le document, je vais donc procéder à une interrogation, ce sera plus dynamique. Bien, on va essayer de se contenter des points saillants de cette décision. Son volume global, c'est 1 372 666 euros, à rapprocher de notre volume budgétaire qui, lui, est 30 millions, donc je vous laisse faire les pourcentages vous-même. Hein, c'est donc, je ne dis pas que c'est à la marge, mais cependant, ce n'est pas la totalité de nos prévisions budgétaires qui se trouvent bousculées. Ces 1 372 000 se répartissent en 807 180 euros en investissement et 565 485 euros en fonctionnement. Pour ce qui est de la section d'investissement, je pense que c'est la partie... qui présente le plus de signification par rapport à ces évolutions que je soulignais tout à l'heure. Vous vous souvenez du vote du budget, où j'avais dû expliquer, tant bien que mal, à M. Rousseau, dont l'absence nous pèse. Elle est cruelle, tous les jours. Oui, toujours. Moi, j'aime bien parce qu'il suit, en général, lui. Oh là. Ça, c'est fait. Eh ben... Solidarité quand tu nous tiens. J'avais donc expliqué à M. Rousseau que quand nous disions que nous allions emprunter 4 millions d'euros, c'était à considérer comme si c'était 3 millions. Vous vous en souvenez peut-être. J'avais donné un épisode un peu cocasse. Mais en vérité, c'est très exactement ce qui s'est passé. Vous aviez voté une autorisation d'emprunt de 4 millions d'euros. Nous ne retiendrons au final que 3 millions d'euros. Donc la question auquel s'ajoutent les 1 million d'euros de l'exercice 2017 que nous avions laissé de côté et qui reste disponible. Donc comment est-ce que tout cela s'est produit? Ben, essentiellement, par rapport, c'est une combinaison d'au moins 3 facteurs. D'une part, des recettes que nous ne connaissions pas bien, qui ne nous étaient pas notifiées et qui sont intervenues. On avait évoqué, par exemple, la subvention du département à la crèche des Noé.
elle est effectivement intervenue. On attendait un différentiel entre la dotation globale de fonctionnement et la DSU. C'est intervenu au montant que nous estimions. On n'avait pas connaissance à ce moment-là de la dotation politique de la ville, de même que de la dotation de soutien à l'investissement local. Ça faisait quand même pas mal de choses. Et tout ça, ça nous permet au final de ne pas recourir à 1 million d'emprunts que nous avions estimé devoir saisir. Est-ce que vous me permettez, Jean-Jacques, comme on n'est pas loin de la Sainte-Marien, qui est pratiquement en octobre, si je me rappelle bien. Je pense que la Sainte-Marien, c'est 365 jours par an. Oh là là. Il en faudrait plus de comme ça. Madame Marien, je rappelle, a eu quand même toujours la bonne habitude, excellente, de n'inscrire les dépenses que quand elles étaient sûres à 1%, nous réservons la bonne surprise de ne pas les avoir, et de n'inscrire les dépenses que quand elles étaient sûres, au-delà de 4, recettes, au-delà de 99%, ce qui veut dire que dès qu'elles n'étaient un tout petit peu pas sûres, elles ne les inscrivaient pas, ce qui fait qu'on les trouve maintenant. Absolument. Et qu'on est plutôt heureux. C'est, elle nous a largement aidés à maîtriser nos coûts, nos dettes, par cette méthode, qui est une méthode sérieuse, que nous partageons tous d'ailleurs. Et nous ferons en sorte de bien retenir les leçons qu'elle nous aura dispensées. Bon. Sainte-Marien. Bien. Tout ça, ça a permis de développer ou d'ajouter un certain nombre de travaux ou de financements à des projets qu'on avait estimés un peu plus bas ou qui étaient moins ambitieux. Hein, puisqu'au total, nous allons inscrire en autorisation de programme, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, 715 000 euros 500 supplémentaires, n'est-ce pas ? Et en crédit de paiement, 225 000 euros. Alors sur quoi est-ce que tout cela va porter ? Ben, sur des secteurs tels qu'ils ont été évoqués, notamment à travers le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes et qui constitue nos priorités depuis des années. La première chose, c'est les travaux dans les écoles. On ajoute une autorisation de programme de 103 000 euros, mais en même temps, on ajoute des crédits de paiement pour 103 000 euros, ce qui signifie tout simplement le programme est autorisé, les crédits pour payer ces travaux sont là, ils seront réalisés avant la fin de l'exercice. Voilà ce qu'il est important de retenir. C'est l'occasion de souligner qu'on a quand même consacré, dans le courant de cet exercice, 1 072 000 euros aux travaux dans les écoles. On évoquait tout à l'heure les dédoublements des classes de CE1 cette année, ainsi qu'un ensemble d'améliorations qui ont été apportées, qui ont été aidées, c'est vrai, par la dotation de soutien à l'investissement local à hauteur de 128 000 euros. On avance aussi dans le domaine de la sécurité. Le poste de l'ouverture du nouveau poste de police était effectivement l'événement, je dirais, emblématique des engagements qui sont les nôtres là-dedans. N'est-ce pas, Dominique ? Hein, me regarde pas par en dessous. Ben, on s'était engagé aussi sur le programme de vidéo-vigilance. Et nous avions prévu un montant de crédit qui était de 235 000 euros 320. C'était précis. Et on s'est aperçu, en fait, en entrant dans le diagnostic, en quelque sorte, que avant que d'augmenter notre capacité en vidéo-vigilance, il s'agissait de remettre à niveau, dans des proportions très importantes, ce qui existait déjà. Donc on avait consommé pas mal de crédit pour la remise à niveau. Il n'en restait pas assez pour le développement. Donc on vous propose d'ajouter une autorisation de programme de 150 000 euros, ainsi que les crédits de paiement correspondants. Et là encore, c'est l'annonce d'une réalisation qui interviendra en 2018. On a évoqué, il y a un instant, le parvis de la crèche du Pivolet. Là encore, là c'est une création, c'est une AP nouvelle, voilà. Autorisation de programme nouvelle, c'était pas porté au budget primitif. Donc on inscrit 360 000 euros en autorisation de programme et 102 000 euros en crédit de paiement pour 2018 et le complément 258 000 euros en 2019. La durée de chantier le justifie parfaitement, hein. Ça va chevaucher les deux exercices. On a évoqué tout à l'heure la MJA, les travaux nécessaires, donc je ne développe pas. Là encore, une autorisation de programme nouvelle à hauteur de 144 000 euros, accompagnée du crédit de paiement correspondant.
On a inscrit également, et j'appellerai ça une inscription de précaution. On la réalisera si on a le temps. Si c'est différé à 2019, ce ne sera pas gênant. Ça concerne l'acquisition d'un nouveau car scolaire. C'est quelque chose, on en parle à chaque budget. Chaque année, la sagesse de Mme Marien, encore une fois, nous a amené à inscrire une provision de sorte de ne pas avoir à supporter d'un seul coup l'achat d'un autocar. Ça représente quand même des volumes financiers de l'ordre de 250 000 euros, hein, ces petites bricoles. Hein. Donc ça compte. On est arrivé en quelque sorte à thésauriser un certain nombre de crédits qui nous permettent d'envisager cette réalisation. Et j'étais même un peu modeste. On inscrit en autorisation de programme 290 000 euros et en crédit de paiement 290 000 euros aussi. Mais ne soyez pas surpris si cette réalisation n'intervient que dans le courant du premier trimestre 2019. C'est la garantie, en tout cas, que ce sera fait parce qu'on est capable de le faire, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était des choses en plus. Ensuite, il y a des choses qui s'ajustent et qui viennent en moins. Vous en avez la liste, donc je ne vais pas m'étendre. Je veux simplement souligner, par exemple, qu'on va enlever 185 000 euros pour le projet du bus à haut niveau de service. Nous nous étions intéressés pour ce qui était de l'intégration dans le paysage urbain de cette réalisation, qui sera une réalisation structurante très importante. Et en définitive, les choses se sont bien passées avec la case. Nous ne payons que les études. On avait inscrit 200 000 euros. On peut enlever 185 000. Le reste sera pris en charge par la case. Il se trouve aussi que on avait, Monsieur le maire en a parlé il y a un instant, on a parlé de la voie de l'épargne et du parvis de Léon Blum. Des études ont été engagées, des appels d'offres ont été mis en place. Et en définitive, le résultat de ces appels d'offres dégage 92 000 euros dont on n'aura pas besoin pour réaliser ces travaux puisque la consultation s'est conclue, on va dire, à notre avantage. La même chose pour le parvis de l'église. Non, ce n'est pas la même chose. Le parvis de l'église, pour 95 000 euros, on le reporte simplement sur 2019, donc on l'enlève sur l'exercice 2018. Et on a également eu une bonne surprise, apparemment une très mauvaise surprise, quand il s'est agi de constater qu'il fallait refaire ou consolider la charpente en lamelles collées du Gymnix. Et en définitive, la consultation, là aussi, s'est conclue à notre avantage pour 50 000 euros. Et de la même manière, 30 000 euros dont on n'a pas eu besoin pour procéder au raccordement au réseau des nouveaux panneaux publicitaires, des 4 mètres par 3, des sucettes, et j'en oublie. Donc une opération qui se voit dans le paysage, qui est de qualité et qui, en définitive, nous aura coûté moins cher que ce à quoi on s'attendait à faire face. Voilà, donc on réduira les crédits de paiement en conséquence. Alors, en revanche, on va avoir des reports de travaux parce que certains dossiers ont été longs à élaborer. Ils vont glisser sur 2019. Ils concernent la crèche du Pivolet. On enlève 200 000 euros. On reporte sur le prochain exercice. De même que pour le groupe scolaire des Dominos pour 450 000 euros. Et la même chose pour le groupe scolaire Coluche pour 200 000 euros. Ce qu'il faut dire, c'est que ça, c'était directement lié à l'intervention de l'État et les décisions étaient longues à intervenir. Donc c'est difficile de s'engager quand on n'est pas en mesure de financer. D'autre part, il y a des considérations techniques qui demandent du temps, en particulier du fait de l'âge relatif de ces bâtiments qui posent le problème du désamiantage. Donc ça supposait une réflexion technique, un travail prospectif, préalable, relativement important. On n'était pas en mesure de le réaliser à l'échéance fin 2018. Voilà. Donc, je vous le disais tout à l'heure, des subventions qui sont arrivées, mais dont on n'était pas sûr et que Marie-Claude a vu la sagesse
de ne pas inscrire, 300 000 euros par le département pour les crèches, 128 000 pour la dotation de soutien à l'investissement local pour le dédoublement des classes, 218 000 de la dotation politique de la ville pour le parvis de la crèche et les travaux de la MJA et de l'informatisation de la cyberbase. Voilà. Ces éléments permettent, vous l'avez sous les yeux en gras, de passer la section d'investissement de 16 562 238 euros à 17 369 519. Donc vous l'avez compris, on n'en fait pas moins que ce qu'on espérait faire, on en fait tout simplement un peu plus. Je crois qu'on peut s'en féliciter. Pour ce qui est de la section de fonctionnement, donc le volume de modification est de 565 485 euros, vous l'avez sous les yeux. Donc on a plus de la moitié, 307 473 euros, qui sont consacrés aux charges à caractère général. Ce qu'il faut dire là-dessus, c'est là que vous allez trouver notamment le report, on va y revenir dans une délibération suivante, mais on l'a évoqué tout à l'heure, on a différé un peu la reprise du foyer des Quatre Soleils, notre hôtel d'entreprise. Donc il est clair qu'il va nous falloir payer le loyer pour la durée additionnelle qu'on a déterminée. Mais dans le même temps, on recevra les loyers des gens qui y sont installés. Ça suppose d'être inscrit, bien entendu, et ça vient modifier les affichages. Donc autant le signaler. On avait aussi des ajustements de taxes foncières, parce que si on reçoit des recettes fiscales au titre de la taxe foncière, il ne faut pas oublier qu'on paye également de la taxe foncière pour un ensemble de choses, quoi. Donc il s'agit de mettre ça d'équerre. Les charges de personnel ne bougent pas puisque c'est un tout petit ajustement de 13 660 euros. Vous rapprochez ça des 12 millions qui sont inscrits sur ce chapitre. Je vous laisse faire le calcul. J'ai pas fait. Jacques, ça fait 0,1%, non ? À peine. Et enfin, au 65, les autres charges de gestion courante pour 135 000 euros, ben, ce n'est pas la peine de s'étendre, puisqu'on a, sur ces 135 000 euros, on a consacré 100 000 euros à subventionner le CCAS pour l'emploi des 4 médiateurs dont il était question tout à l'heure, puisqu'ils sont agents du CCAS et non pas de la ville, ce qui correspond parfaitement au caractère de leur mission, quoi, des missions qu'on leur a confiées. Donc, s'en suivent un certain nombre d'écritures d'ordre, parce que notre DM modifie les chiffres auxquels on aboutissait pour faire la balance entre les dépenses prévisionnelles et les recettes prévisionnelles. Là, on dégage un peu plus d'excédent, on va dire, sur cette balance, à hauteur de près de 100 000 euros, ce qui nous permet d'inscrire un autofinancement de 3 728 939 euros, au lieu des 3 631 000 et quelques, ce qui nous ramène ni plus ni moins, vous vous en souvenez sans doute, à notre niveau d'autofinancement habituel, qui est toujours de 3 700 000 depuis quelques exercices. Voilà, c'est l'essentiel, hein. Après, ce serait du délayage, ça n'est pas nécessaire, j'imagine. Il y a quelques écritures patrimoniales, notamment le théâtre de l'Arsenal. Tout ça, c'est fini de payer. Donc, on évoquait tout à l'heure l'inventaire. Il y a un inventaire physique, il y a un inventaire comptable. Là, on est du côté de l'inventaire comptable. Tout ça, on va le rentrer dans nos immobilisations. C'est donc une dépense d'investissement, puisqu'on avait une délégation de maîtrise d'ouvrage auprès de AD. Tout ça, c'est réglé. Eh bien, ça va tout simplement nous permettre de toucher le fonds de compensation de la TVA sur ce volume financier d'1 165 000 euros, laquelle est de l'ordre de 15,5%. Donc là encore, il y a un petit billet à prendre. On ne va pas le laisser traîner, tout simplement. Hein. Si on l'avait fait en direct, on ne l'aurait pas eu, le fonds de TVA. Donc c'est pour ça, en partie pour ça qu'on passe par EAD. On ne va pas le laisser passer, quoi. Voilà ce qui vous est proposé comme décision modificative. J'imagine que vous avez des tas de questions, des commentaires. Vous souhaitez des approfondissements. Là aussi, pour faire une comparaison,
au tableau, à l'inventaire de l'actif de la région, il y a 6 milliards et demi. On n'y est pas encore, on doit avoir beaucoup moins. Et il n'y avait que 150 millions d'euros de différence entre l'inventaire du trésorier payeur et l'inventaire du directeur financier, ce qui est quand même pas beaucoup. Ouais. Voilà. Là, par contre, on a peut-être quelques progrès encore à faire. Oui, c'est une question aussi de moyens numériques, notamment. Non, puis, comme on le dit souvent, une commune qui a commencé au Moyen-Âge, elle a un inventaire des chaises du Moyen-Âge qu'elle complète par un inventaire des chaises du 19e siècle et qu'elle poursuit par un inventaire des tables du 20e. Nous, il a tout fallu, vous le savez, faire du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on a pris un peu de retard au départ. Peut-être. Donc il y a quelques votes que j'essaierai de réduire au minimum, bien entendu. Alors je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions en décision modificative numéro 1 pour la section de fonctionnement à hauteur de 565 485 euros, à la fois en dépenses et en recettes, bien évidemment, puisque cet exercice doit être équilibré. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je suis heureux de votre enthousiasme, merci. Ensuite, on passe à la section d'investissement, bien entendu. Donc là, nous sommes, pour le total de la section d'investissement, une inscription en recettes comme en dépenses de 807 181 euros, hein, quand on fait le solde de l'ensemble du tableau. Et je dois vous interroger à savoir si vous souhaitez adopter également cette inscription. Oui, vous remercie. Et enfin, le total des deux sections, ça fait 1 372 666 euros, à la fois en dépenses et en recettes. Je pense que si vous avez adopté les deux termes précédents, vous adopterez celui-ci, oui. Eh bien, je vous remercie. Dans ceux qui nous manquent, il y avait toujours le moment où Mme Cascajares avait peur que la totalité de l'emprunt vienne augmenter la dette. Et vous vous rappelez, on avait des longs en disant que c'était on ouvrait simplement, mais que c'était pas certain qu'on et que le but c'était d'emprunter moins que voilà. Et on avait oublié qu'en même temps qu'on empruntait, on remboursait. Année, on remboursait. Voilà, mais ça donnait lieu. Mais vous pouvez pas dire qu'on. On salue Mme Cascajares qui souvent nous regarde sur l'internet. Vous n'en êtes pas tiré l'affaire, Jean-Jacques. Non. Vous avez évoqué le portage financier par le PFN de l'hôtel d'entreprise et Quatre Soleils. Il faut que vous en parliez. Ah oui. Avec une délibération étrangement à gauche, je suis d'accord avec vous. Oui. Alors qu'on est habitué à ce qu'elle soit à droite. S'agissant de le PFN. Et s'agissant de la place où elle est dans notre cahier. Bien. Je vous ai quasiment tout dit. Hein. L'histoire du foyer des Quatre Soleils. Vous vous en souvenez? Merci, oncle Jean-Jacques. Raconte-nous encore l'histoire du foyer de Soleil. C'est celle que je préfère. Dans le cadre des opérations en rue précédentes, c'était un projet qui figurait à ce titre-là et qui a été réalisé au compte de la ville, enfin sous maîtrise d'ouvrage, ville. Il se trouve que la compétence développement économique, puisqu'il s'agit d'un hôtel d'entreprise, appartient en revanche à l'agglomération, donc à la CASE. Après ces quelques années de réalisation, de lancement, la place que ça a prise et la maîtrise également architecturale que ça nous a offert, tout simplement, le moment est venu de remettre les choses à leur place et de transférer cette compétence à la CASE. C'était prévu initialement pour être réalisé au 31 décembre, pour un ensemble de raisons qui tiennent à des comptes qu'il faut solder, des choses comme ça, il va s'agir de prolonger ce délai jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire 3 mois. Voilà l'objet de la délibération. Pour ce faire, nous avons besoin de l'autorisation du Conseil municipal, sachant que pour un délai inférieur à 6 ans de portage, ce portage, y compris notamment le portage complémentaire, se fait sans intérêt. Auparavant, c'était 3%, si ma mémoire est bonne. Hein, donc là, c'est en quelque sorte sans frais.
et ça permet de faire coïncider les taquets pour régler cette affaire-là. Voilà. Ça fait l'objet d'une convention, bien entendu, hein, ou plutôt d'un avenant, qui est un deuxième avenant, à la convention de portage qui avait été établie avec l'établissement public foncier de Normandie, qui a pour vocation, justement, d'assurer le portage foncier et immobilier pour les collectivités locales. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? Juste pour les collègues, on est quand même en cours de le repasser à la case, et je pense qu'on pourra l'avoir fait d'ici janvier ou en janvier. 31 mars, voilà. Donc, le PFFN. Il y a un service qu'on maintiendra probablement pour nos avocats, notaires et autres. C'est la jeune femme, c'est une jeune femme qui est à l'entrée. La case ne souhaitant pas maintenir une veille. Et nous ayons plutôt intérêt à ce qu'il y ait un adulte pas loin de la mairie qui soit sur cette portion de rue. Voilà, même s'il y a la police qui n'est pas loin. Voilà, donc ça, c'est la seule information. Vous savez tout. Est-ce que vous êtes d'accord pour autoriser le maire à signer cet avenant à la convention ? Oui, Jean. Eh bien, je vous remercie. Voilà. Aurélie, on reverse du mécénat à l'association Sous les étoiles. Je me suis permis de poster une photo de Jean-Claude Bourbeau en convalescence au bord de la mer. Certains l'ont vu. Voilà. Donc, il se remet lentement. Donc, on le salue s'il nous voit. Oui, alors effectivement, notre incontournable festival de cinéma Ciné-Été, dont chacun connaît le principe ici, a organisé cette année sa 17e édition, qui s'intitulait Quand l'écran s'animera, mon chien sifflera trois fois, et qui s'est déroulée du 14 juillet au 15 août 2018. Elle a accueilli 5400 personnes, comme en 2017. Alors cette année encore, nos entreprises locales ont répondu présentes pour soutenir et aider à organiser cet événement. Ce sont donc 11 025 euros qui ont, au 30 septembre, déjà été encaissés sur les 33 000 euros de promesses de mécénat qui avaient été recueillies. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le reversement à l'association Sous le soleil exactement qui... met en œuvre et gère les côtés artistiques, administratifs et techniques du festival. Donc le reversement de la somme déjà encaissée, ainsi que le reversement de toute recette qui viendrait à être perçue par la ville au titre de cette action de mécénat. Y a-t-il des questions ? De ce point de vue-là, juste un petit mot sur Jean-Claude Bourbeau. Quand on dit que ça a bien marché, je pense que s'il était à... très bien marché cet été pour ceux qui y étaient. Il a été aidé largement par les conditions météorologiques. Il a été aidé également par le fait qu'il y avait de nouveaux habitants, et notamment ceux des Noé, qui ne connaissaient pas. Et on a vu des gens tout benoîtement se dire que c'était une aubaine d'aller voir 30 films gratuits et qui sortaient pratiquement en famille. Et il a eu beaucoup de monde et il a eu beaucoup de gens qui ont regardé les films attentivement. Je pense qu'il y a eu moins de rumeurs, de bruit, etc., qu'il y a pu en avoir certaines années où c'était plus chaud. Diront Cayenne, je ne sais pas si on dit ça. Mais Bourbeau, il faut le reconnaître tous, parce qu'il a des qualités et des défauts. Je pense qu'il doit nous regarder, donc il va m'en vouloir. On connaît ses défauts, mais on connaît également ses qualités. Et ses qualités, c'est qu'il arrive à 4h de l'après-midi, si les trois arpètes, ils ont mis les trois tabourets à gauche, il faut immédiatement les mettre à droite. Si le lendemain, ils les ont mis à droite, il faut immédiatement les mettre à gauche. Et ça, c'est un peu Bourbeau. Et qui plus est, on était avec un... conseil municipal dont le prénom commence par un N et le nom commence par un G, et on lui a dit il faudrait mieux que tu te reposes, et notamment il y a un moment où Jean-Claude pourrait se reposer, c'est le moment où il fait son grand discours au peuple avant chaque film qui dure entre 1h20 et 1h40. Alors, c'est bien parce que ça permet à la nuit d'arriver, mais qui n'est pas spécialement court, et ils ont droit à un morceau de l'histoire du cinéma en entier auquel ils ne comprennent pas obligatoirement tout, parce que je veux dire qu'à 22h30 ça devient un peu confus. Excuse-moi Jean-Claude si tu nous écoutes, et voilà. Mais il ne veut pas, et de même il va se coucher quand le dernier gars est parti se coucher. Donc du coup je crois qu'il était très une des raisons de son accident, c'est qu'il était très fatigué à l'issue de Ciné-Été. Bon, il y a plein d'autres raisons, mais il était fatigué, donc voilà, et qualité et défaut, la qualité, c'est qu'il faut le remercier de faire ça, et il le fait bien, donc on est heureux qu'il se porte mieux
Voilà, mais ce que le conseil municipal qui me disait, qui commence par N et le nom commence par un G, c'est vrai qu'on a regardé les gens avec le discours de Jean-Claude à 22h40, qui attendaient que leur film et qui voyaient que ça durait. Mais c'est nécessaire absolument, on ne peut pas s'en passer, ça fait partie du tout, partie du charme de ciné-été, le thé, le discours et le film. Voilà, donc, pardon Aurélie, je vous ai coupé. Vous mettez au vote si vous voulez bien, ou il y a peut-être d'autres questions, mais je voulais juste donner de bonnes nouvelles de Bourbon. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. De la culture au sport? Oui. Le célèbre esprit saint dans un corps saint? Trois délibérations. La première concerne le VRAC. En juin dernier, nous avons voté l'ensemble des subventions sportives. Donc, je ne vais pas vous refaire le laïus. Hein. Nous avions voté pour le VRAC 20 000 euros sur les 34 000 demandés. Pourquoi ? Puisqu'on était un petit peu en attente du projet sportif, des ambitions du club, etc. Et puis, surtout, il fallait retravailler la convention d'objectifs. Cette convention n'est pas une surprise, puisque je vous rappelle qu'au-delà de 25 000 euros d'une subvention, il est impératif qu'il y ait une convention qui existe. Donc voilà, on l'a simplement retravaillée. Donc je vais remettre au vote de proposer de voter un complément de la subvention de 14 000 euros. Mais avant cela, y a-t-il des questions? J'étais un petit peu vite. Hein. 34 000. Et est-ce que le VRAC va s'améliorer? Alors il y a déjà beaucoup plus de monde. On voit bien le mercredi après-midi, il y a plus d'enfants, etc. Il y a, le staff s'est étoffé. Enfin, on se rend compte qu'il y a des choses qui commencent à bouger. Au-delà de s'étoffer, est-ce qu'il s'est professionnalisé? Oui. Et est-ce que les querelles internes au VRAC ont cessé? Je ne sais pas. Madame est prudente. J'ai réponse à tout. Voilà. Ça serait bien qu'elle s'estompe. Oui, ça serait bien. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont bougé et il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées au bureau. Il y a des idées neuves, il y a de la volonté. En tout cas, on a pu voir qu'il y avait des marqueurs positifs. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On a parlé tout à l'heure brièvement du Gymnix. Oui. On a vu, je ne sais plus pourquoi, les dirigeants du Gymnix l'autre jour dans une fête quelconque, je ne sais plus, on était ensemble. La fête de la ville. Peut-être aussi, oui. C'était il y a si longtemps que ça. Et le Gymnix marchait très bien apparemment. Oui, il y a du monde. Et c'était plutôt une bonne nouvelle. Oui. Voilà. Y a-t-il des questions? Alors, je vais passer au vote. Des abstentions? Je ne me souviens plus de l'autre nom. Des oppositions. Merci des oppositions. J'ai eu un blanc, pardon. Merci pour eux. Je demande rapidement à l'opposition de revenir pour permettre à Madame Dordain de se rappeler comment elle s'appelle. Ah oui, mais c'est dur le lundi, en fait. C'est horrible. Je continue? Oh bah, sur votre lancée, Madame Dordain. L'attribution aussi. Alors, trois subventions. Je ne vais pas vous refaire le laïus encore une fois, hein, du 4 juin. Là, nous avons trois demandes, la pétanque, la gymnastique volontaire et Equilibro. Trois clubs qui œuvrent différemment, mais qui sont tout autant importants. Je pense à Equilibro dans les écoles, les centres de loisirs, etc. Et puis aussi des vrais spectacles qu'ils peuvent proposer. La gymnastique volontaire, je voudrais les saluer aussi puisqu'ils participent, en tout cas ils nous accompagnent dans le dispositif sport sur ordonnance, et ça c'est plutôt une bonne chose, ils ont répondu présent, voilà. Donc 500 euros pour la pétanque, la gymnastique, et 600 euros pour Equilibro. Y a-t-il des questions? Des abstentions, des votes contre? Merci Marilyn, je vous remercie. Et la dernière, subvention, c'est pour le kayak adapté. Je pense que tout le monde se souvient que cet hiver, au mois de février, nous avons eu l'honneur d'accueillir les championnats du monde de sport adapté. C'était quand même du beau spectacle. Hein. Il y a eu beaucoup de choses, des moments de plaisir, de partage qui se sont passés. Et aujourd'hui, puisqu'on a su montrer l'accompagnement de la ville vers le sport et le sport adapté, nous allons accueillir les championnats de France de kayak. Alors, évidemment, on est soutenu et beaucoup soutenu par le club de la ville, hein, qui œuvre au quotidien, d'ailleurs, que je salue.
et puis la Ligue, le comité, etc. Donc nous n'avons pas de subvention, j'ai pas envie de dire financière parce que c'est pas le cas, à voter, mais en tout cas nous apportons un soutien logistique très important, beaucoup de matériel de prêt, que ce soit sur des questions, le soutien de l'hébergement, table, chaise, etc., le dispositif sécurité et tout et tout, et puis tout ce qu'on sait faire sur cette ville. Donc l'idée c'était de pouvoir le voter au conseil pour pouvoir faire aussi un éclairage sur cette action qui va être autant important que le marathon que nous allons accueillir. Et ce qui serait bien, c'est qu'on se divise un petit peu, qu'on fasse un tour sur les rives de l'Eure, voir les gens du canoë, et puis, du kayak, pardon, et puis au marathon. Voilà, c'était un appel subliminal. Je redis, et je le dis parce que les services techniques sont là, à travers Pierre-Antoine Aurière, le nombre de fois on est félicité pour leur intervention, et encore récemment au CFA, où tout le monde m'a dit merci pour tout ce qu'a fait les services techniques, qui avaient apporté les chaises isolées, mes limoquettes, etc., les mises en place, ils étaient ravis. Voilà, simplement, il faut le dire, parce que j'ai eu plein de remerciements pour vous, monsieur Aurière. C'est vrai. Voilà, donc ce que sait faire les services techniques, c'est plutôt bien par rapport à beaucoup d'autres villes, là aussi, ce que savent faire, pardon. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Lolo 2700 a voté contre, puisqu'il a levé la main au moment où on est plusieurs à l'avoir vu. On est plusieurs à l'avoir vu. Bon, voilà, donc, juste, c'est le célèbre. Il ne faut pas faire ça, Laurent, dans les enchères. C'est très, très mauvais, parce que là, vous avez fait exactement le geste du. Et au monsieur au troisième rang. Allez, on passe à. Alors, vous connaissez tous Demain nous appartient, qui est le superbe feuilleton de TF1. Ainsi grand soleil, qui est le superbe feuilleton de France 2, qui sont tous les deux très, très beaux, je vous signale. Non, c'est vous rigolez, mais Ainsi grand soleil. Si vous saviez qui a tué Angèle, tu regardes aussi. Si, c'est le gars qui dit, il y a pas un mec qui rit. Si tu dis c'est qui a tué Angèle, s'il a pas regardé, donc tu regardes aussi. Et donc tout ça simplement, Ainsi grand soleil se passe à Montpellier, tandis que Demain nous appartient se passe à Sète. Et donc je vais donner la parole à une sétoise. Qui va nous parler de la subvention à l'ACRI. La sétoise, c'est Michel Combes, que vous verrez bientôt dans le feuilleton. C'est bon. Bon, donc la délibération donc, numéro 9 concerne l'attribution d'une subvention à l'association de ACRI, Association de coopération et de relations internationales, qui participe à créer du lien social pour l'organisation d'actions culturelles. Et notamment, en septembre 2018, vous y êtes toutes allées, avec la venue pendant une semaine du village d'artisanat marocain. Il est donc demandé au conseil municipal d'attribuer deux subventions à cette association, l'une concernant une subvention de fonctionnement ordinaire de 1 000 euros, et une subvention exceptionnelle pour l'organisation du village artisanal marocain de 2 500 euros, soit un total de 3 500 euros. Ben, écoute, voilà, c'est très bien ainsi. De dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018, au compte 6 574, subvention de fonctionnement aux associations et aux autres personnes de droit privé. Y a-t-il des oppositions? Non. Des abstentions? Nous sommes tous heureux pour la CRI et je salue M. Biron. Merci Michel. Pour Ainsi grand soleil, je vous signale plusieurs choses. D'abord Claire, l'héroïne. Est amoureuse à la fois de l'inspecteur de police. Je regarde vraiment ça. De l'inspecteur de police. Il n'y a pas que moi qui regarde, très franchement. C'est le feuilleton de France 2. Il est amoureuse de l'inspecteur de police, qui est un type très bien. Et par ailleurs également, elle ne sait pas si elle est encore amoureuse de l'homme dont elle a eu un enfant il y a 15 ans, qui est Ludovic. C'est pour ça qu'elle est partie pendant 15... Vous croyez pas si bien dire, Jean-Jacques. C'est pour ça qu'elle est partie pendant 15 ans. Mais là, elle l'a revue. Évidemment, entre-temps, Patrick, je crois, s'est marié et a lui-même deux grands-enfants. Donc elle ne sait pas. Mais on sait maintenant qui a tué Angèle. C'est la collègue de travail de la mère d'Angèle et de Claire, qui était une vieille salope, si je puis me permettre. Et là, c'est là le point important. La mère de Claire, je spoil à fond, la mère de Claire, c'est Gabrielle Lazur.
que j'ai jamais pu saquer quand elle avait 20 ans. Et que je peux pas, que je peux pas saquer quand on a 60. Voilà, qui est une fausse beauté. Bon, allez, hop, voilà, c'est fini ça. C'est pas la peine de le regarder, vous me tenez au courant. Non, mais non, mais. Non, parce que vous allez. Vous pouvez le regarder en replay, mais c'est impossible, parce qu'on est déjà au 29e épisode, et qu'ils durent tous une demi-heure. Il y en a deux. Donc, 20, oui, je pense. Et mais 29 épisodes, ça vous ferait 15 heures de Six Grands Soleils. Et ça ne tient pas le coup. Ouais, regardez la presse, ils n'en peuvent plus, il faudrait qu'on arrive à la fin du conseil municipal. Allez, Jacques Le Cerf. Allez, Marie, ne soyez pas catastrophée. Allez. Vas-y. Donc vous connaissez tous les papillons blancs qui sont installés à Val-d'Aureuil, chaussée de Léry, depuis 2007, sur un terrain que nous avons acquis auprès de l'EPFN. Depuis 2017, la structure a eu sa gestion reprise par l'ADAPT 27, et donc... nous en profiterons pour régulariser une situation, notamment pour mettre en place un bail sur une durée de 18 ans, avec versement d'une redevance annuelle de 1 000 euros payable à terme échu. Il vous est donc demandé de bien vouloir approuver la signature du bail emphytéotique de 18 ans avec l'association et d'autoriser Monsieur le maire à signer ce bail emphytéotique avec l'association. Avez-vous des questions ? Debout ? Pardon. Bon, et nous allons passer au vote. Qui est pour ? Merci. Je signale qu'on vient de passer le cap dangereux de la moitié du conseil municipal. En délibération. Monsieur Le Cerf, nous sommes pendus à vos lèvres. Je vous en demande pas tant. Nous allons voir maintenant le déclassement d'une route départementale. Donc vous avez pu voir le petit plan qui est joint et qui présente le déclassement de quatre axes. Donc une partie de l'avenue Falaise, une partie de l'avenue Némétier, sur le RD 77 sur la zone des pâtures et une partie de la route de Tournedos. L'État a décidé en 2006 de transférer une grande partie des anciennes routes nationales au département. Et le Conseil départemental de l'Eure souhaite également, à son tour, c'est un peu les chaises musicales, bon, déclasser et se débarrasser, voilà, on va le dire comme ça, des charges que génèrent ces routes, et donc de les remettre à disposition des communes, et de ce fait, c'est la communauté de communes qui en prendra la gestion, puisque c'est la communauté de communes qui gère toutes les voiries sur l'agglomération. Donc il est nécessaire de procéder au déclassement de ces tronçons de voies dans le domaine public communal, et ça sera géré par l'agglomération Seine-Eure dans le cadre de la compétence voirie de celle-ci. Il vous est demandé donc d'autoriser le classement du domaine public des différents tronçons que vous avez notés sur le plan et qui sont répertoriés dans la décision, d'autoriser Monsieur le maire à signer ce document et d'autoriser le versement direct de la participation financière du département à la communauté d'agglomération, puisque le département reverse... une somme à l'agglomération pour gérer l'ensemble des... Pour solde de tout compte, voilà. Je cherchais le mot qui est la suite. Voilà. Avez-vous des questions ? Qui est pour ? Merci. Maintenant, nous passons à un sujet dont Jacques Le Cerf détient la spécialité absolue sur l'ensemble de la case et qui fait profiter de ses conseils, qui est le plan local d'urbanisme intercommunal. Absolument. Qui est composé de plusieurs volets, dont le PADD, qui est le plan qui a trait à l'aménagement au développement durable.
Vous avez délibéré en mars 2017 ce PRDD. Or, depuis cette date, il y a 5 communes qui ont adhéré ou qui font maintenant partie de la communauté d'agglomération. Il convient maintenant d'organiser donc un nouveau débat sur le PRDD, c'est-à-dire que les modifications apportées sont des modifications uniquement au nombre de communes qui concernent ces 5 communes, puisque ce sont elles viennent maintenant augmenter le nombre de communes de l'ensemble de l'agglomération. Il y a donc une adaptation des scénarios démographiques, une adaptation de la production de logements et une diminution de l'objectif de la modération de la consommation de l'espace, qui était fixé à 10% contre 20% antérieurement. C'est-à-dire que il y a, du fait qu'il y a d'autres communes, dans l'ensemble de la réflexion logement, par exemple, il y a 600 logements supplémentaires à intégrer sur l'ensemble des logements qu'il y aura à faire sur la période à traiter. Est-ce que j'ai été clair ? Non. Eh bien, voilà, c'était le but du jeu. Donc, il vous est demandé de prendre acte des modifications apportées au PRDD. Tout simplement. Un suivant, puisqu'il n'y a pas de vote. Ah, il n'y a pas de vote. Donc, c'est Madame Duvalet qui prend la parole sur les classes de découverte. Et on parlait de la classe de neige, justement. Justement, j'en dirai plus. Alors, classe de découverte 2019. Nombre d'écoles qui souhaitent partir en classe de découverte. On peut séparer effectivement les classes de découverte des classes de neige, puisque les classes de découverte sont soumises à demande de subvention dans la mesure où elles restent dans la région Normandie, auprès du conseil départemental, les classes de neige étant complètement à la charge de la commune. Hein. Donc nous, ce qu'on a besoin dans un premier temps, c'est surtout de délibérer sur ces classes de découverte pour déposer nos demandes de subvention à temps aujourd'hui, quoi. Donc par rapport aux classes de découverte, nous avons trois types, on va dire, de classes de découverte, enfin deux types, des classes de découverte sur les séjours art et culture et des classes de découverte séjour à la mer, hein, c'est ce qui fonctionne plutôt bien auprès des enseignants. Au total, c'est 15 classes cette année qui souhaitent partir. Donc cinq groupes CP dédoublés, en fait. Hein. Et ça fait un nombre d'élèves plutôt conséquent, puisque ça fait plus de 300 élèves, 343 exactement, qui pourront partir, ce qui est plutôt bien pour nos jeunes Rolivalois. Vous avez donc le détail, hein, donc ce sont Harcourt, La Guéroulde, Saint-Père-sur-Mer, Saint-Martin-de-Bréal, Port-Bail, Espin, Harcourt et Lyon-sur-Mer. D'un point de vue financier, on en est à peu près à la même somme que l'an dernier. Hein, il n'y a pas d'une année sur l'autre, on est à peu près à la même somme, en sachant que ce que vous avez là, c'est le coût des séjours incluant les frais de transport et autres, hein, systématiquement. Et vous avez un coût moyen de séjour par élève. La différence fait que c'est le nombre de jours, hein, 3 jours, 5 jours, 10 jours, c'est ce qui va faire la différence. Et à ça, dans un deuxième temps, on aura une diminution de l'implication des familles et de la subvention, et restera un solde pour la commune. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Classe de neige, vous posiez la question. Il y a un groupe scolaire, systématiquement, normalement, on a un groupe scolaire qui se propose, et donc on fait par roulement des classes de neige. Cette année, l'école des cerfs-volants souhaitait partir, et puis tout compte fait, ils veulent plus trop, donc on essaye de les relancer pour que quand même les enfants puissent partir. Donc là, je suis en train de voir avec eux. Mais on n'avait pas besoin pour la subvention d'un délai. Donc pour nous, aujourd'hui, ça ne pose pas encore trop de problèmes s'ils se décident dans les 15 jours qui suivent. Enfin, le tout, c'est de se décider avant qu'il n'y ait plus de neige. Donc sinon, le reste, ça ira. On a toujours dit qu'on essaie d'envoyer une classe par an. Un groupe neige, scolaire, on essaie de faire tourner. Voilà, donc on essaye quand même encore. Des questions ? Non ? Eh bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour eux.
On revient à Aurélie qui va nous parler de la DRAC et du théâtre de l'Arsenal. En effet, donc, je vais parler du dispositif Danse en territoire. Donc, c'est en 2017 et 2018, le théâtre de l'Arsenal a présenté au mois de mai le point d'orgue de son action d'éducation culturelle et artistique qui s'appelle Danse en territoire, donc, et qui fait partie des actions de tout leur programme d'action qui est élaboré pour obtenir le label scène conventionnée danse du ministère de la Culture. Donc, d'autre part, la convention pluriannuelle d'objectifs que nous passons avec le théâtre prévoit que le théâtre accueille et forme des nouveaux publics en les confrontant à toutes les formes de spectacles vivants, à la fois en leur permettant d'assister à des spectacles et également de pratiquer. Donc, en 2017, il y avait eu 5 chorégraphes qui avaient travaillé avec des centaines de jeunes relivalois, exactement, ce sont 4 classes de Val-de-Reuil. Donc, ça avait réuni sur scène 100 enfants dans une très belle chorégraphie. Honnêtement, c'était impressionnant de voir tous ces enfants sur scène dans ce ballet contemporain. Donc là, c'était 5 chorégraphes pour 4 classes. Et en 2018, le théâtre a augmenté son accueil. Et donc, ce sont 9 chorégraphes, 5 compagnies et 9 établissements qui ont été partenaires sur les classes primaires. Donc, c'était 4 classes élémentaires et même une classe maternelle qui ont participé au projet. Donc, cette action de grande ampleur, elle est renouvelée en 2019. C'est une action qui enrichit le parcours d'éducation artistique et culturelle, le PEAC, qui jalonne toute la scolarité des élèves, donc de la maternelle jusqu'au lycée. Et à Val-de-Reuil, la particularité, c'est que ce parcours, il intervient à la fois sur le temps scolaire et sur le temps péri- et extrascolaire. Donc, ce n'est pas que dans les écoles, c'est également sur les temps d'activité périscolaire que les choses se passent. Donc, ce projet de résidence triennale territoriale a été agréé par l'inspection de l'éducation nationale de la circonscription de Val-de-Reuil. Il suit 3 objectifs. Le premier, c'est fréquenter et rencontrer. Le deuxième, pratiquer. Le troisième, s'approprier. Et les services de l'État viennent confirmer au théâtre la poursuite du dispositif pour la deuxième année scolaire, donc 2018-2019. Donc la DRAC apportera 8 000 euros et la DSDEN, donc c'est la Direction des services départementaux de l'éducation nationale, qui accorde un crédit de 2 500 euros. Donc compte tenu de ces éléments et sur la base du bilan de la première année que l'on trouve en annexe, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention annuelle de 2 500 euros pour ce projet et d'autoriser monsieur le maire à signer l'ensemble des actes y afférents, donc l'engagement des dépenses, soit 7 500 euros pour les 3 années de la RTT. Merci Aurélie. Ce théâtre qui fonctionne bien, et notamment dans sa dimension chorégraphique, je crois, qui attire beaucoup de monde. Des questions à poser à Aurélie. Pardon, vas-y. Je peux faire une précision. Et donc, je crois qu'il faut vraiment bien comprendre que c'est une occasion plutôt bien réussie, parce que sur 3 ans, l'ensemble des Rolivalois scolarisés ici participer, travailler, etc. Mais toutes les écoles et toutes les classes. Donc, oui, en fait, il y a 4 classes un peu résidentes. Oui. Et ça permet aux autres classes des écoles de participer également. Voilà. Et tout ça pour 7 500 euros sur 3 ans pour les 1 900 élèves. En effet, c'est très bien. Aurélie. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. On passe à Madame Liot qui a une brève délibération sur le nettoyage. Passionnante, mais il faut bien y passer. C'est pour ça qu'elle sera brève. Donc, il s'agit d'une délibération concernant l'entretien des locaux du CCAS afin de permettre à cette structure de profiter des tarifs intéressants du groupement d'achat avec la ville de Val-de-Reuil. Donc, pour cela, il est juste nécessaire d'établir une convention.
Avez-vous des questions? En effet. Il n'y avait pas plus à dire. On dirait des exercices de style de Queneau. Qui s'abstient? Merci. Bravo. Vraiment, Jean-Jacques, c'est à vous, là, mais je ne sais pas si vous avez le temps de vous préparer. Comment te refuser? Donc, la CLECT ou Commission locale d'évaluation des charges transférées a pour objet, quand une compétence exercée par une commune est transférée à la CAS, de déterminer le montant que consacrait la dite commune à la conduite de cette activité. Il faut donc comprendre que quand on transfère une compétence à la CAS, ça ne signifie pas qu'on met la réalisation de l'action à la seule charge de la CAS. La commune continue, fige en quelque sorte ce qu'elle y consacrait au moment du transfert de compétence. Ça veut dire que la CAS supportera les augmentations à intervenir au fil du temps sur ces. Mais à l'initial, la commune aura toujours la charge qu'elle y consacrait jusqu'au transfert. Je sais que c'est un peu compliqué, mais si on ne le dit pas, ça ne permet pas de bien comprendre à quoi ça sert. Donc la commission en question, elle a pour but de s'assurer que les évaluations sont pertinentes par rapport à ce dont il s'agit. Et là, en l'occurrence, ça concerne des charges transférées par certaines communes, Alizé, Cricbeuf, Les Dents, Marteau et Terre de Bord, ainsi qu'Aquigny, Andé, Léry et Pose, sur des activités d'accueil de loisirs sans hébergement. Voilà. Donc, ça fait l'objet d'un compte-rendu, hein, puisque c'est déjà une réunion qui date de mai dernier. Et il convient que chaque conseil municipal des communes constitutive de l'établissement public de coopération intercommunale se prononce sur ce transfert. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, est-ce que vous approuvez ce dispositif? Oui. Eh bien, je vous en remercie. On passe à la délibération suivante, qui est peut-être, comme on l'évoquait d'ailleurs au début, la seule politique qui puisse exister dans ce conseil municipal ce soir. Pourquoi est-elle politique? Parce que il s'agit d'être d'accord ou pas. Je donne le sens de notre vote. On va être d'accord. Ça me semblerait difficile de faire autrement. Et c'est pas ici qu'il faut s'exprimer. C'est plutôt à la CAS, plutôt que de s'exprimer ici, ce qui serait pas. C'est quelque chose qui a déjà été validé à la CAS ou pas encore? Je ne me souviens pas qu'on se soit prononcé. Je pense qu'il faut d'abord que les communes soient d'accord. La question elle est simple. D'une part, une question politique. Il y a une majorité politique qui est en train de se construire à la CAS, que Bernard Leroy construit habilement. Il l'a construit de deux manières. D'une part, en faisant venir plutôt des communes conservatrices. Et d'autre part, en faisant venir plutôt des communes petites ou moyennes. De telle manière qu'ils se retrouvent en situation de connaissance par rapport au Vaudreuil ou par rapport à d'autres. Les grandes villes, notamment Val-de-Reuil, c'est terrible, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Et on voit bien comment les choses se font. Et une fois encore, c'est un paratonnerre si jamais Louviers devait perdre sa majorité de droite, pour faire en sorte que néanmoins la CAS continue à travailler sur des équilibres. Je ne parle pas de la politique de M. Leroy en général. Elle pourrait être plus audacieuse, elle pourrait être plus ambitieuse. Par ailleurs, il fait bien son boulot et on sait que c'est un bon élu local. On ne partage pas ses points de vue, y compris il était très anti-intercommunalité quand il était dans l'opposition. Il est devenu très pro-intercommunalité depuis qu'il la préside, ce qui est un phénomène assez classique. Voilà ce qu'on peut dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et on en parlait brièvement avec Jean-Jacques, là, ces communes, elles adhèrent contre quoi? Elles adhèrent contre la perspective d'être, de voir leur trottoir refait, leur place centrale refaite, leur parvis d'église refaite. Et elles ont une caractéristique, c'est qu'elles n'ont pas d'argent. Donc elles se disent qu'elles arrivent vers des gros contributeurs, la zone fiscale et économique, industrielle, la plus dynamique du département, largement devant Évreux, et que tant qu'à faire d'accrocher sa lanterne à une bonne roulotte, il faut mieux prendre une roulotte neuve qu'une roulotte ancienne. Et la roulotte ancienne, c'est celle de notre camarade Gatinet, dit l'empereur de la pensée de l'heure, le garçon qui, je vous le rappelle, faisait en 12 minutes
le trajet qui va d'Alphonse Allais au collège du Hamlet avec sa Ferrari, puisque c'était lui qui a fait son... Il est apparemment aussi bon localement, intercommunalement, qu'il ne l'est au conseil départemental. Et donc tout le monde se barre. Et il se barre chez nous. Mais le problème, une fois encore, c'est que c'est nous qui sommes les contributeurs. Et c'est des communes qui viennent. Donc non seulement elles ne sont pas de... Voilà. Elles n'ont pas trop de défiance. Les gens sont plutôt sympathiques. Je ne sais pas ce que vous avez pensé quand on les a vus. Les gens n'ont pas de défiance. Il n'y a pas l'historique avec Val-de-Reuil. Ce qui fait que d'une certaine façon, ils sont plus sympathiques. Ils voient une commune qui marche bien. Ils sont plutôt contents d'être dedans, d'être avec. Voilà. Depuis d'être contents, ils ne sont pas désagréables. Voilà. Enfin, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on est en train nous-mêmes, non pas de scier la branche sur laquelle on est assis, parce qu'on n'est pas assis dessus, mais de conforter la branche sur laquelle d'autres sont assis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt pour la voter. Ça a été déjà voté à la classe, tu es sûr. Oui, mais on a besoin de normalement de valider. On s'était abstenu, mais là, je vous propose de vous abstenir tous et moi je vote pour. Oui, par exemple. Hein, on fait ça. Allez. Alors qui s'abstient? Ah, vraiment, vous me surprenez. Bon, je vais donc devoir me dévouer et je vais voter pour. Voilà. Donc toutes ces communes sont généreusement acceptées dans le giron de la communauté d'agglomération. Seineur. Dominique, tu nous parles de la liste des emplois, des gens qu'on va pouvoir loger, des conditions dans lesquelles on va pouvoir les loger. Ne tournons pas autour du pot, ça va parler beaucoup, à mon avis, des logements de policiers. Ah non, tu as eu tort de réappuyer. J'appuie, c'est bon. Ah, Madame Montmaillard, il n'y avait pas eu un seul incident de micro. Là, j'appuie, c'est bon. C'est bon. Donc là, nous allons parler des logements de fonction. Donc le 14 février 1999, le conseil municipal a fixé la liste des logements de fonction. À l'heure actuelle, il y a deux types d'attribution de logements. La mise à disposition de logements par nécessité absolue de service, ça concerne une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté et de sécurité. Ce dispositif peut être mis en place notamment pour certains emplois fonctionnels. De même, l'attribution de ce logement peut être justifiée lorsque les contraintes liées à l'emploi appellent une présence constante de l'agent sur les lieux d'affectation. Cette concession comporte la gratuité, mais du logement nu. Et le deuxième type, c'est les conventions d'occupation précaire avec astreinte. Alors, la convention d'occupation précaire avec astreinte peut être accordée à l'agent tenu d'accomplir un service d'astreinte, mais qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service. Cette convention donne obligatoirement lieu au paiement d'une redevance par l'agent bénéficiaire. Contrairement à l'ancienne réglementation où une distinction était opérée selon le type de logement accordé, le nouveau régime est venu harmoniser les règles applicables. Désormais, le bénéficiaire du logement supporte l'ensemble des réparations locatives et les charges locatives afférentes au logement qu'il occupe. Il convient de préciser que dans la liste des charges locatives figurent l'eau, le gaz, l'électricité et le chauffage. Compte tenu de ces évolutions, il convient de modifier nos pratiques actuelles. Ainsi, il est proposé de fixer la liste des emplois bénéficiaires. Donc nous avons, pour les concessions de logements pour nécessité absolue de service, les gardiens de bâtiments de services des sports, et les gardiens des groupes scolaires. Pour le deuxième type de convention d'occupation, c'est surtout pour les chefs et agents de police municipale. Voilà. Actuellement, la ville comporte 17 logements de fonction, dont 4 affectés aux gardiens des bâtiments sportifs, 7 aux gardiens des groupes scolaires et 6 aux agents de police municipale. Les décisions individuelles d'attribution seront prises plus tard le 1er novembre 2018. Donc sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver ces deux nouveaux dispositifs. Voilà. Merci Dominique. C'est d'autant plus que c'est un moyen pour nous de passer d'une situation qui n'était pas trop légale à une situation qui était légale, parce que vous savez qu'il y avait un régime qui n'était plutôt pas idiot, qui consiste à mettre tous les policiers rue des Fleurs, et voilà. Or, ils doivent payer une partie de leur logement, or, il y a la question des fluides, et donc on remet tout ça d'aplomb. Si on veut la saluer aimablement, parce que je sais qu'elle fait toujours attention à Val-de-Reuil, si vous êtes d'accord, M. Tristan, c'est Mme Basso qui avait un peu initié cette remise au clair. Elle était d'ailleurs assez partisane en règle générale de la remise au clair.
Et donc, voilà, il faut le faire. Voilà, je ne sais pas si... si voilà. On essaye de convaincre nos policiers nouveaux, quand ils arrivent, de loger sur la ville. Oui. Mais on n'est pas obligé de le faire. Non. Enfin, on n'est pas obligé. Eux ne sont pas obligés de nous écouter. Ils ne sont pas obligés d'accepter. Donc, y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est Catherine qui nous berce de sa voix. Alors, à la suite de ce qu'on vient de délibérer, on a vu qu'il y avait donc des conventions d'occupation précaires avec astreinte, dont les policiers municipaux, mais il y a aussi dans cette catégorie des astreintes pour les services techniques, pour assurer la continuité de service, et des équipes d'astreinte, notamment en période d'hiver, pour tout ce qui est déneigement et autres, en fait. Et donc, on a profiter en même temps au comité technique de mettre à plat ce dispositif d'astreinte et la rémunération à mettre en face qui se doit d'être pour quel que soit le type d'agent, qu'il soit titulaire, qu'il soit en contrat non titulaire, hein, qu'il soit en contrat, à partir du moment où il est obligé d'avoir une nécessité d'intervention par roulement, en fait. Et donc, ces astreintes peuvent être rémunérées selon le type d'agent ou bénéficier d'une compensation de temps. Et donc, on a recadré cette indemnisation possible quand il souhaitait plutôt une indemnité d'astreinte. Donc, on a remis un tableau conformément à la loi, hein, pour que cette indemnité d'astreinte rémunère la contrainte et au fait d'être mobilisé. Voilà pour tout simplement cette... Je ne vais pas rentrer dans le détail de combien, pour qui, quand, voilà. Donc, et la notion d'astreinte, je pense que pour vous, elle est claire, hein, c'est... être disponible à tout moment pendant une période ponctuelle et par roulement. Y a-t-il des questions ? Non ? Eh bien, je vous propose d'approuver ce nouveau tableau qui clarifie l'indemnité d'astreinte. Oui ? Je vous remercie. Tu continues, Catherine. Alors, toujours dans le cadre des travaux qui sont faits dans les commissions... avec nos agents dont tu disais tout à l'heure en début qu'on avait de plus en plus de relations avec nos syndicats, nos personnels et autres. Et donc, il y a la médecine préventive, hein, qui est absolument indispensable, nécessaire, et qui a été confiée, le conseil municipal l'a confiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale, tout ce qui est gestion des visites médicales pour nos professionnels. La convention doit être tout simplement renouvelée, en fait, et on vous propose de renouveler cette convention dans les mêmes modalités qui existaient jusqu'à partir du 1er janvier 2009, avec la facturation des visites préventives et le mode de fonctionnement qui va avec. Est-ce que vous avez... C'est le coût de la visite médicale classique, hein, ni plus ni moins, obligatoire et classique. Des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe aux traditionnelles délibérations de la fin du conseil municipal pour laquelle je vais prendre mon temps, puisque ça fait déjà 10 minutes que le 29e épisode de... ah oui ! Un si grand soleil est terminé. Et donc, on a raté ça. Plus sérieusement, un adjoint administratif du service jeunesse devient rédacteur principal de deuxième classe et une adjointe d'animation du service des sports devient éducateur des APS. Ce sont deux fonctionnaires de notre mairie qui ont passé un concours et qui l'ont obtenu. Je signale que l'une d'entre elles a été décorée au monument le 14 juillet, il n'y a pas très longtemps. Il faut la féliciter. Il y a un agent informaticien qu'on a recruté, dont je vous ai dit le nom tout à l'heure, qui va remplacer un agent de maîtrise principal des ateliers municipaux pour devenir un adjoint technique, lui, principal des services informatiques. Donc, quelqu'un de moins au service technique et quelqu'un de plus en informatique. Et puis, il y a quelqu'un qu'on va intégrer à la suite d'un changement de filière, qui est un adjoint technique du groupe scolaire Coluche, qui devient adjoint d'animation du groupe scolaire Coluche. Voilà les transformations, la prestidigitation des ressources humaines de la commune. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'en vois pas. Des oppositions ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n'en vois pas. Êtes-vous pour ? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a lieu le prochain conseil municipal.
Le prochain conseil municipal est celui qui aura lieu à la mi-décembre, m'indique-t-on. Voilà, je signale qu'il est de bon ton d'en faire 6 hein, au total dans l'année. Voilà, donc mi-décembre. Est-ce qu'on a un pot ou pas ? C'est un pot à boire. Il y a un pot ? Oui, il y a un pot. Et bien donc partageons le. Madame Montmaillard, vous savez que c'est. Vous devez veiller là-dessus. Hein. Ah bah un peu là. Il y a une chose à laquelle il faut aller. Oui. Non, ça se voit tranquillement, non, mais quand on aurait du temps pour parler de l'avenir, enfin, voilà.